tous, bienvenue sur nos antennes communes de BFM TV, iTélé et RMC pour ce deuxième débat de la primaire de la gauche, de la belle alliance populaire. J'ai le plaisir de le présenter avec Laurence Ferrari. Bonsoir Laurence, bonsoir, heureuse de vous retrouver. Vous aussi. Bonsoir Laurent, bonsoir. Neumann. Nous vous accueillons au studio Gabriel. Alors pour les non-parisiens, je précise que c'est juste derrière l'Elysée. Alors encore faut-il traverser la rue et y arriver. C'est d'ailleurs un peu pour ça que vous êtes là, un peu beaucoup. Vous êtes tous candidats à la présidentielle. Et nous allons donc débattre ensemble des sujets que va vous exposer Laurence. Bonsoir Sylvia Pinel. Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir. Bonsoir Vincent Peillon. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc Benamias. Bonsoir. Bonsoir Benoît Hamon. Bonsoir. Bonsoir Noémie Debourg. Bonsoir. Bonsoir François de Rugy. Bonsoir. Et bonsoir à tous. Nous allons donc aborder plusieurs grands thèmes aujourd'hui. D'abord les questions internationales, l'Europe face au défi de la refondation et de la question migratoire, l'environnement à la lumière de la vie quotidienne des Français. Et puis dans la seconde partie de ce débat, qu'est-ce que la gauche a raté pour être à ce point-là divisée et pour que son président sortant soit empêché de se représenter? Comment vous comptez-vous exercer le pouvoir si vous étiez en mesure d'être président? Enfin, vos propositions pour la jeunesse, c'est crucial, pour l'école de la République que vous voulez refonder, et c'est lié. Quelle est votre vision de la laïcité de la France de 2017? Alors, n'hésitez pas à interagir, à vous parler entre vous, à faire du débat aujourd'hui. Nous avons une minute de temps de parole pour chacun d'entre vous. Vous pouvez vous répondre sur une minute, mais n'hésitez pas, les punchlines sont les bienvenus ce soir. Voilà, Ruth et Laurence ont posé les règles du jeu de ce débat. Avant d'entrer dans le vif du sujet sur une question concernant Donald Trump qui prend ses fonctions dans quelques jours à la Maison-Blanche. Je vous propose de regarder un sujet sur le fonctionnement de cette primaire de la gauche, comment ça marche, comment y participer. Explication, Anne Sora Dubois. J-7 avant les primaires citoyennes. Premier tour, le dimanche 22 janvier. Le second, une semaine plus tard, le 29 janvier. Qui peut voter? Tous ceux qui sont inscrits sur les listes électorales et munis d'une pièce d'identité. Pas besoin d'avoir la carte d'un parti politique, c'est le principe des primaires ouvertes. En signant la liste d'émargement, vous affirmerez que vous vous reconnaissez dans les valeurs de la gauche et des écologistes. Pour voter, attention, ne vous rendez pas dans votre bureau de vote habituel. 7530 points spécifiques seront ouverts un peu partout en France, de 9h à 19h pour chacun des deux tours. Pour trouver le vôtre, rendez-vous à cette adresse, lesprimairescitoyennes.fr. Pour participer à ces primaires, il vous en coûtera 1 euro au premier et au second tour, en liquide, votre contribution aux frais d'organisation du vote. Et on commence par la première question d'actualité. Donald Trump, le 45e président des États-Unis, sera investi vendredi à Washington. Un président tonitruant, imprévisible, vous en conviendrez, qui revendique un fort protectionnisme économique et qui surtout est globalement opposé à la reconstruction européenne. À quoi peut s'attendre la France avec un tel président américain? Jean-Luc Benamias, c'est vous qui avez été tiré au sort pour démarrer ce débat. Vous avez créé un livre, « Qu'est-ce qu'un président devrait dire ?» Alors, qu'est-ce qu'un président de gauche français devrait dire à Trump? Bonsoir. Nous ne choisissons pas les présidents des autres nations. Ils ont été élus majoritairement dans le cadre de leurs institutions. Nous ne pouvons qu'en prendre acte. Il ne s'agit pas de savoir si nous aimons ou ne n'aimons pas le président Trump ou le président Poutine. Mais vous l'aimez ou vous l'aimez pas? Là n'est pas la question, je suis en train de le dire. Ce n'est pas comme cela que se pose la question justement. Dans le matière de diplomatie, surtout en période de grande tension internationale, c'est pas comme ça que se pose la question. Ah oui. Rappelez-vous, Roosevelt, Churchill et Staline, c'était pas vraiment les meilleurs amis du monde. La France est un pays qui s'est donné les capacités d'agir par l'aide au développement, par des interventions militaires. Elle a réussi la COP21 grâce au président François Hollande, à Ségolène Royal, à Laurent Fabius. Notre pays doit donc discuter avec le président Trump et le président Poutine. C'est d'ailleurs heureusement ce que notre diplomatie fait en ce moment. Pour terminer, ce n'est pas parce qu'on discute qu'on est d'accord sur tout. Notre force de conviction et d'action serait d'autant plus forte si enfin dans l'Union européenne, il y avait une diplomatie des affaires étrangères communes, une défense commune. Merci monsieur Benamias. Vincent Peillon, il y a donc un bouleversement géopolitique clair, un nouvel ordre mondial qui se dessine. Est-ce que cela nous condamne à être sur la défensive? Il ne le faut pas. On ne sait pas si c'est un nouvel ordre ou un nouveau désordre. Parce que ce qui se passe peut légitimement inquiéter. Beaucoup d'instabilité, beaucoup d'incertitude pour l'avenir. Trump, c'est une incertitude. C'est une incertitude, bien entendu, sur la COP21, Jean-Luc Benamias vient de le dire. C'est une incertitude encore davantage sur la question des relations transatlantiques et en particulier de notre défense commune.
Les pays de l'Est de l'Europe sont très inquiets devant l'agressivité de Poutine. L'annexion de la Crimée, c'est une première de la part d'un membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'est-ce que vous lui diriez si vous étiez élu président ? Ce que je lui dirais, c'est que, d'abord, il ne faut pas préjuger, mais nous devons peser, nous, la France, pour faire en sorte que ces relations restent fortes, et en particulier le partenariat transatlantique. Et puis, deuxièmement, il faut maintenant comprendre que la réponse à toutes ces questions, Poutine d'un côté, mais c'est aussi Alep. De l'autre côté, évidemment, Trump, c'est plus d'Europe. C'est une défense européenne, c'est une politique étrangère et de sécurité commune qui nous a manqué dans les temps passés et nous a réduit à l'impuissance. Et donc, je crois qu'il faut parler avec chacun, bien entendu, il ne faut pas préjuger, il faut être ferme sur nos orientations, y compris l'accord nucléaire iranien qui peut être en question, mais il faut maintenant mettre des bouchées doubles sur la politique étrangère européenne et de défense commune. Arnaud Montebourg, vous avez entendu Vincent Peillon, il parle d'Europe, vous parlez plus volontiers de la France. Que proposez-vous concrètement dans ce contexte international bouleversé pour répondre à Donald Trump ? Qu'est-ce que la France peut dire ? Un exemple, est-ce qu'elle doit sortir du commandement intégré de l'OTAN ? Je dirais à Donald Trump que nous avons une politique indépendante, malgré nos alliances traditionnelles, l'OTAN, et que nous ne pouvons pas être suivistes, nous ne pouvons pas l'être vis-à-vis de la Russie, Vladimir Poutine, nous ne pouvons pas l'être non plus vis-à-vis des États-Unis. D'une certaine manière, c'est autant se méfier des cyberattaques russes que des écoutes américaines illégales de la NSA sur les chefs d'État européens. Et l'accord iranien menacé, l'OTAN revisité par Donald Trump, et l'ensemble des questions comme la COP qui ont été attribuées finalement à la France sont menacées. Nous aurons à dire notre politique et nous battre dans le cadre de l'ONU pour la maintenir. Ça s'appelle finalement le fait de ne pas être l'auxiliaire du moindre empire. Nous ne pouvons pas être les supplétifs. Et ce sera l'occasion finalement, comme l'a dit Vincent Peillon, j'approuve ce point, de construire l'alliance militaire européenne indépendamment de l'OTAN. Donc le commandement intégré est un détail par rapport à ce qui peut se préparer et le niveau d'exigence qui pèse sur les épaules européennes. Alors justement, Benoît Hamon, on vient de le voir, Donald Trump, lui, pendant sa campagne, n'a pas hésité à remettre en cause l'OTAN en disant aux Européens « I want my money back ». Il faut que vous payiez plus pour qu'on continue à vous protéger militairement. Comment réagir, justement, en renforçant notre défense européenne ? Incontestablement, l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis crée un élément d'instabilité. Elle crée un élément d'instabilité à raison du fait qu'il semble vouloir confirmer une partie des orientations de l'administration Obama sur le désengagement militaire des États-Unis vis-à-vis de l'Europe et le choix d'une orientation stratégique principale vers l'Asie. Cela nous offre une opportunité dès lors que, de surcroît, la Russie augmente ses prétentions et qu'elle inquiète aujourd'hui les pays de la frontière orientale de l'Union européenne. La France a non seulement un rang, elle est le dernier membre de l'Union européenne du Conseil de sécurité des Nations unies, c'est la cinquième puissance mondiale, elle a une dissuasion nucléaire et elle contrôle la deuxième zone économique maritime au monde. À ce titre, ce rang peut justifier qu'au regard de l'outil de défense complet que nous avons, nous devons proposer à nos partenaires des coopérations en matière de projets de défense, mais des coopérations en termes de protection de nos frontières qui permettent justement bien de suppléer à ce qui pourrait être le désengagement des États-Unis. Le désengagement des États-Unis, ce peut être l'occasion pour la France bien d'offrir un nouveau contrat politique à ses partenaires en Europe. Et on reste dans le commandement intégré de l'OTAN, la France ? Je pense que c'est neutre. Je pense comme Arnaud Montebourg aujourd'hui que c'est neutre. Manuel Valls, vous dites que votre expérience d'ancien Premier ministre vous permettra de parler avec Trump, Poutine, Erdogan, Xi Jinping, d'une certaine façon, pour leur dire quoi concrètement ? Si Donald Trump se mettait à justement protéger ses frontières de façon beaucoup plus nette sur nos produits ou d'autres mesures qui seraient nouvelles dans les relations entre la France et les États-Unis ou avec Vladimir Poutine, qu'est-ce que vous diriez de plus que vos concurrents ? Je veux rappeler que dans un monde dur et incertain, j'ai une stratégie pour la France. Bien sûr, c'est le fruit de l'histoire, du génie du général de Gaulle. Et tous les présidents de la République ont toujours voulu marquer l'indépendance de la France. J'ai une stratégie qui repose sur deux principes. L'indépendance de notre pays, aucune soumission à l'égard d'une grande puissance. Et bien sûr, être à la hauteur du monde nouveau. Et avec un autre principe qui est essentiel, il a été rappelé, c'est l'Europe. Et l'Europe doit être forte et unie dans ce monde difficile. Et à Donald Trump, je lui dirais, ça vient d'être rappelé d'ailleurs, qu'il y a plusieurs grands dossiers
sur lequel nous allons discuter. Le dossier de l'accord du nucléaire iranien, essentiel pour la stabilité de la région. L'avenir de la défense atlantique, de l'Alliance atlantique et donc de la défense européenne. La mise en œuvre de la COP21. Là-dessus. Et si Donald Trump revient sur cet accord, sur la parole des États-Unis, il faudra alors que l'Europe prenne des initiatives. Par exemple. Et taxe notamment, mettre en place une taxe carbone sur les produits américains. Et puis, bien sûr. On rentre dans une guerre économique avec les États-Unis ? Non, un rapport de force. Car au fond, et c'est vrai pour Vladimir Poutine, comme pour Donald Trump, ce sont des hommes de rapport de force. Et la France doit être forte dans ce moment-là. Et je leur rappellerai, la France est indépendante, elle n'est soumise à personne. Alors, François de Rugy, vous êtes un écologiste convaincu. Même question, au fond, si Donald Trump remet pour de bon en cause l'accord de Paris, l'accord sur la COP21, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que la France fait concrètement ? On met une taxe carbone à l'entrée de la France, de l'Europe, on lui répond comment ? D'abord, l'élection de Donald Trump montre que ce qui paraissait inimaginable s'est produit. Je crois qu'il faudra en tirer des leçons, y compris pour la politique française. Au niveau international, c'est évident que l'élection de Donald Trump, elle amène une nouvelle donne, au moins sur trois points. D'abord, il veut se désengager de la sécurité européenne. Il l'a dit et il faut en tenir compte. Il veut faire une alliance avec la Russie de Poutine. C'est un renversement sans précédent dans l'histoire. Jamais le président Obama ne s'est lancé dans une telle alliance avec quelqu'un qui pratique un expansionnisme russe agressif. Et enfin, troisième point extrêmement important, il veut en effet remettre en cause l'accord sur le climat qui a été négocié, signé, ratifié grâce à la France à Paris. Donc face à cela, il faut en tirer des conséquences concrètes. En termes de sécurité, il faut que l'Europe s'affirme. Il faut que l'Europe apprenne à assurer sa sécurité. Taxe aux frontières, dit Manuel Valls. Mais avant cela, sur la sécurité, moi je fais une proposition concrète. Je ne sais pas si l'OTAN va peu à peu dépérir, mais il faut anticiper. Et donc je propose une alliance militaire européenne, en commençant par la France, l'Allemagne et la Pologne, car on ne le fera pas à 28. Et évidemment, sur le climat, il faut que Donald Trump sache qu'il y aura des mesures de rétorsion si les États-Unis dénoncent l'accord sur le climat et la taxe carbone aux frontières pour les produits américains peut être une solution. Sylvia Pinel, est-ce que vous êtes d'accord avec Manuel Valls ? Est-ce qu'il faut qu'on montre nos muscles face à Donald Trump pour lui faire peur ? Est-ce qu'il faut une taxe pour le ramener à la raison sur la COP21 ? Face à ce monde incertain, avec Trump d'un côté, Poutine de l'autre, il faut effectivement une France forte qui s'affirme, qui ne soit pas alignée ou suiviste. Mais pour moi, la première ligne directrice de la politique française en matière de diplomatie, c'est évidemment le renforcement de l'Europe, le renforcement du couple franco-allemand pour que derrière ce duo, d'autres États viennent soutenir la position que nous pouvons avoir, nous, Français, parce que oui, il sera certainement plus dur en matière commerciale. Donc, il faudra lui imposer la fermeté de l'Europe et la préférence économique européenne. En même temps, il faudra aussi se préoccuper de notre défense et de notre sécurité, puisque les doutes qu'il fait planer sont inacceptables. Donc il faut renforcer nos moyens de défense communs. Et vous savez que les radicaux étant des Européens convaincus et fédéralistes, notre première priorité, c'est donc de relancer la construction européenne pour parler d'une voix ferme et forte aux États-Unis, mais aussi à la Russie de Poutine. Alors justement, l'Europe, on va en parler, elle paraît quand même très divisée face à ces nouveaux défis. Et je vais vous demander pour en parler, si vous le voulez bien, de ne pas user du jargon technocratique qui fait que ça éloigne un peu les Français des enjeux européens réels. Donc on va évoquer ces enjeux, et notamment avec vous Arnaud Montebourg d'abord. Vous avez souvent critiqué François Hollande pour son impuissance sur l'Europe face à Angela Merkel. Vous voulez engager un bras de fer, alors qu'on entend ici qu'il y a d'autres voix qui sont plus pour une Europe beaucoup plus resserrée. Mais pourquoi est-ce que vous arriveriez, vous, mieux que d'autres, et notamment que François Hollande, à obtenir une Europe plus sociale, à une harmonisation fiscale? Qu'est-ce qui se passerait en cas d'échec? Déjà, nous devons mettre fin à l'austérité. Et beaucoup de pays en ont assez, sont épuisés, je n'ose dire essorés. Donc il y a un bloc conservateur qui veut continuer, et il faut que nous construisions le bloc réformateur. Et il y a beaucoup de disponibilité dans les pays. Il suffirait d'ailleurs d'avoir 35% de la population, 4 pays pour disposer d'une minorité de blocage, et pour moi elle serait une minorité de dialogue, de rapport de force, pour commencer à infléchir les choses. Quand il y a eu le discours du Bourget, il y avait la promesse qu'il y aurait
organisation des alliances. J'ai rencontré moi-même un grand nombre de dirigeants européens qui attendaient le leadership alternatif. Il n'est pas venu. Alors regardons maintenant l'Union européenne. Vous voulez des questions concrètes? Nous avons aujourd'hui... Des réponses concrètes. Oui, oui. Mais j'y viens, Madame Ruth El-Khriev. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons aujourd'hui, et ça fait 10 ans que ça dure, la menace d'une nouvelle crise de la sidérurgie. Pourquoi? Parce que nous sommes attaqués par l'acier chinois à concurrence déloyale. Nous avons eu Gandrange il y a 10 ans, ça a fermé. Nous avons eu Florange, j'en sais quelque chose, ça a fermé. Et voici que maintenant, vous avez Mittal, nous connaissons Mittal en France, c'est un des premiers Européens, et il a des installations en France, qui annonce au gouvernement français qu'il va fermer ses prochains hauts fourneaux, ses prochaines installations, si l'Europe ne met pas des barrières douanières de protection. Les Américains ont mis 522% sur l'acier chinois de taxes. Et nous autres, Européens, nous sommes contentés d'un petit 23, où 60%, il manque un zéro. Et la vérité, c'est que nous sommes aujourd'hui avec une Europe qui est en train de négocier 20 accords de libre-échange pendant que tous les autres continents se protègent et s'organisent. Oui, mais... Ça s'appelle le désarmement unilatéral. Et nous allons avoir un grand nombre d'emplois menacés et perdus. Merci. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec la Chine. Donc cette Europe-là, elle est en train d'être rejetée par les peuples, et c'est vis-à-vis de celle-là qu'il va falloir ouvrir, d'une certaine manière, les hostilités. Vincent Payon, vous avez entendu ce que vient de dire Arnaud Montebourg. En gros, ce qu'il propose, c'est de jouer les frondeurs de l'Europe. Vous êtes un Européen convaincu, vous prenez dans votre programme un New Deal européen, 1000 milliards d'euros de relance à l'échelle européenne, c'est-à-dire grosso modo 3 fois le plan Juncker. Même question qu'Arnaud Montebourg. Pourquoi réussiriez-vous, vous, là où vos prédécesseurs, ou les précédents présidents, pardon, François Hollande, Nicolas Sarkozy, alors qu'ils n'en promettaient pas tant, ont échoué? Parce que j'inverse totalement la méthode. Depuis 20 ou 30 ans, gauche et droite confondues, on a signé des engagements, des trajectoires budgétaires, on ne les a pas respectées. On est allé négocier à Bruxelles des petites entorses, en contrepartie des réformes dites structurelles. Généralement, ça fait mal à tout le monde et ça déplaît. Libéralisation des marchés, libéralisation du travail. Et pour finir, on ruine la confiance avec les Allemands. Je propose pour la première fois d'inverser, c'est-à-dire de dire oui, nous avons pris un engagement, nous allons suivre, parce que je pense en plus que c'est bon pour le pays, une stratégie de finances publiques sérieuse, et nous allons diminuer notre dette et nos déficits et notre dette. Parce que les Allemands sont très scrupuleux là-dessus, parce que vous le savez, ils ne veulent pas payer pour nous. En contrepartie, depuis 2008, on a toujours moins 12% d'investissement en Europe. On ne prépare pas l'avenir. En contrepartie, vous ferez votre part du chemin, c'est-à-dire que vous accepterez un grand plan d'investissement. Là où je rejoins Arnaud Montebourg, nous avons besoin d'investissement. Et d'ailleurs, je considère que c'est un des succès de la présidence de François Hollande d'avoir réussi sur la Grèce à la sauver, d'avoir mis en place le mécanisme européen de stabilité et consolider un peu le budget européen. Mais il faut aller très au-delà. Alors cette fois-ci, il faut arrêter de faire croire que c'est toujours la faute à l'Europe. Il faut arrêter de ne pas respecter notre propre parole. Nous désendetter, ce sera bon aussi pour nos enfants, ce sera bon pour la redistribution, ce sera bon pour l'investissement. Mais en contrepartie, dire aux Allemands, voyez, cette fois-ci, on est sérieux, on fait ce qu'on avait finalement pris comme engagement. En contrepartie, on veut ce plan d'investissement. Benoît Hamon, vous avez entendu vos concurrents. L'Europe est rejetée par les peuples. L'un des symboles de cette impuissance européenne, c'est la gestion du dossier des migrants. Vous proposez-vous un visa humanitaire pour tous les migrants et pas seulement pour ceux qui fuient la guerre? Est-ce que vous avez chiffré cet objectif? Ça représente combien de personnes pour notre pays? Merci pour la question, je vais y répondre, mais je voudrais quand même réagir à la première. Absolument, allez-y, à y répondre aussi. Parce qu'elle est extrêmement importante aujourd'hui. J'aurais juste dire à Vincent Payon que Sigmar Gabriel, qui s'apprête à être candidat face à Mme Merkel, rappelait qu'il avait posé une question à Mme Merkel. 0,5% de plus dans les déficits de la France vaut-il la chandelle quand Marine Le Pen va arriver au pouvoir? Et cette question-là est une question que même les Allemands se posent sur la trajectoire de réduction des déficits publics. J'en viens à ce qui me semble être la priorité aujourd'hui pour la construction européenne. La priorité, c'est de retrouver des coopérations sur des objectifs qui nous unifient. Qu'est-ce qui nous rassemble aujourd'hui dans toute l'Europe? La nécessité de changer de modèle de développement. Les Polonais souhaiteraient passer de centrales à charbon à de la production d'énergie renouvelable. Et un des pères fondateurs de l'Europe nous a montré la voie. Jacques Delors nous rappelant que c'est par la CECA que nous avons construit l'Europe. Et qu'aujourd'hui,
un traité de l'Union sur l'énergie qui s'appuie sur l'excellence européenne. 40% des brevets en matière d'énergie sont aujourd'hui européens, peut nous permettre d'engager cette transition écologique et de notre modèle de développement. On va en parler à nouveau, tout à l'heure, réunifie les Européens. Absolument. Sans projet commun, nous n'avancerons pas. Division sur la question des migrants. J'en viens aux migrants. Aujourd'hui, sur 100 migrants, 100 réfugiés dans le monde, 2 viennent en Europe. Sur ces 2 réfugiés qui viennent en Europe, 1,5 est en Allemagne. Sur le demi-réfugié, pardon de parler comme ça, qui vient en Europe, il y en a encore la moitié qui est en Suède. Visa humanitaire, c'est combien de personnes? Cela veut dire quoi? Ça veut dire que demain, nous prenons en charge le transfert de ceux qui demandent, à raison du fait qu'ils sont persécutés, à raison du fait qu'ils sont obligés à l'exil ou à l'exode, que plutôt que de les laisser dans les mains des passeurs, comme c'est le cas aujourd'hui, nous organisons et nous identifions donc ceux qui veulent passer. Nous allons les chercher en Libye, en Syrie, en Irak? Ils seront dans les consulats des pays dans lesquels ils veulent passer, et passer en Europe, ou dans les pays voisins, comme ça a déjà été fait dans le passé. Combien pouvons-nous en accueillir? Mais, madame, ce ne sont pas des marchandises. Ah non, le sujet, ça n'est pas de dire combien aujourd'hui, ça dépendra très largement de ce que sont les flux de réfugiés. La réalité, c'est sommes-nous à la hauteur de ce que sont nos valeurs? Les valeurs de l'Europe et de la France, patrie des droits de l'homme et de l'asile vis-à-vis des réfugiés, comme de la détresse de ces millions d'hommes et de femmes. Non, nous n'avons pas été à la hauteur quand nous en avons accueilli si peu. Je pense qu'aujourd'hui, au regard de ce qu'est la force de la France, nous pouvons accueillir davantage de migrants et qu'il est de notre responsabilité de le faire sans qu'ils soient obligés de passer par des bateaux dans les mains de passeurs et de risquer leur vie. Manuel Valls, ce que vient de dire Benoît Hamon, c'est un peu le contraire de ce que vous avez dit le 13 février 2016 à Munich. L'Europe ne peut accueillir davantage de réfugiés. Le temps est venu de mettre en œuvre ce qui a été négocié. Ça a suscité beaucoup de critiques, vous le savez. Est-ce que ce soir, vous regrettez ces propos et est-ce qu'on peut vous poser la question comme ça? Vous êtes un homme sans cœur? Non, comment être sans cœur, sans réaction face aux drames épouvantables, notamment en Méditerranée, ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se noient, qui fuient la misère, qui fuit d'abord la guerre ou la torture. Non, bien sûr, mais ce que j'ai dit, non seulement je l'assume, mais je pense que la France a eu raison de mener cette politique. Et l'histoire nous a donné raison. Mais je reviens un instant sur la première question. Je suis européen, nous sommes européens. Je suis européen par mes origines et par mes convictions, et aussi parce que je suis socialiste. Et aujourd'hui, cela n'a pas été rappelé. L'Europe est menacée de dislocation dans le monde d'aujourd'hui. Nous avons parlé de Poutine, de Trump, il y a eu le Brexit, c'est-à-dire la sortie de la Grande-Bretagne qui va se mettre en œuvre de l'Union européenne. Pourquoi arriveriez-vous mieux que les autres, que vos prédécesseurs? Mais parce qu'il y a urgence. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, avait lui-même dit en installant son collège, sa commission, que c'était la commission, que c'est la commission de la dernière chance. Donc si nous ne sommes pas capables de réagir, si nous ne sortons pas du langage que vous rappeliez tout à l'heure, et on dit depuis des années la même chose. Si nous n'écoutons pas les peuples, et si nous ne nous rappelons pas que le redressement de la France que nous avons engagé et la refondation de l'Europe vont de pair, alors l'Europe peut mourir et peut se disloquer. Et parce que je suis européen, je ne veux pas cela. Donc il faut évidemment... Vous êtes d'accord avec le visa humanitaire que propose Benoît Hamon? Mais oui, parlons d'abord... en une seconde, de ce qu'il faut pour l'Europe. Mais je vous répondrai, on aura ce débat, bien sûr, sur les migrants, bien évidemment. C'est maintenant, c'est maintenant. Non, mais il y a la politique économique, il y a la politique budgétaire, beaucoup de choses ont été dites, et je pense qu'il faut donner, en effet, la priorité à l'investissement et qu'il faut poursuivre. 1000 milliards, 2000 milliards, c'est possible, l'Europe en a les moyens, dans les domaines, évidemment, de l'innovation et de l'avenir. Mais, et je réponds à votre question, l'Europe, ce sont des frontières. L'Europe, ce sont des frontières. Il faut savoir où commence l'Europe et où elle se termine. Et si nous ne sommes pas capables de protéger nos frontières, alors c'est l'espace Schengen, c'est-à-dire la libre circulation des personnes, qui sera mise en cause au sein même de l'Union européenne. Et donc je propose une pause dans l'élargissement, de dire clairement les choses à nos amis turcs. Ils ne pourront pas rentrer dans l'Union européenne. Il faut arrêter de leur mentir. Et je propose une conférence de refondation avec une initiative forte entre la France et l'Allemagne pour savoir au fond de quoi doit s'occuper l'Europe. C'est-à-dire de l'essentiel, de notre défense, de notre sécurité, des investissements pour l'avenir et de la convergence économique et sociale. Direction. Sylvia Pinel, peut-être. L'Allemagne a accueilli 1 million de migrants depuis 2015. La France s'est engagée à en accueillir 30 000 et on est loin du compte. Est-ce que la France en fait assez? Est-ce qu'elle doit faire plus?
la France reste fidèle à sa tradition d'accueil humaniste et digne. Et lorsque nous avons, dans le gouvernement justement de Manuel Valls, accueilli les premiers réfugiés, nous avons souhaité les accueillir de manière digne, en leur proposant un certain nombre d'accompagnements, de logements décents. Et c'est l'honneur de la France que de rester fidèle à sa tradition. Mais bien sûr, par rapport à cette question qui est dramatique du point de vue humain, il faut précisément sur cette question une réponse européenne, avec un droit d'asile européen pour éviter que les demandes de traitement de l'asile soient différentes d'un pays à l'autre. Si nous avons échoué sur cette mesure, il faut évidemment la relancer, parce que la France n'aurait pas connu la jungle de Calais si le traitement de l'asile n'était pas différent entre la France... Donc pardonnez-moi, pas le visa humanitaire dont parle Benoît Hamon. La définition d'un statut juridique de l'asile européen qui permettra justement d'avoir un traitement équitable des demandeurs d'asile, quel que soit le pays de l'Union dans lequel ils se trouvent. C'est ça la véritable réponse réaliste et humaniste auquel nous adhérons évidemment tous. Mais il faut aussi qu'il y ait une politique migratoire européenne. Et cela passe évidemment par le renforcement de l'Agence européenne des gardes-frontières qui a été mise en œuvre en octobre dernier, mais qui doit amplifier les moyens. Il faut plus de gardes-frontières, plus de douaniers, parce que ça passe aussi évidemment par la protection des frontières extérieures de l'Union. François de Rugy. On est un peu dans les incantations, dans les bonnes volontés sur cette question-là. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec la question des réfugiés? François Fillon, lui, alors, il propose que les demandeurs d'asile issus de pays sûrs, encore faut-il être d'accord sur ce qu'est un pays sûr, soient placés en rétention administrative pendant l'examen de leur demande. C'est acceptable pour vous ou pas? Il faut être concret et réaliste sur ce sujet de l'Europe où c'est, il faut bien le dire, assez compliqué parce que les Français, comme beaucoup d'autres peuples européens, n'y croient plus beaucoup. Moi, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question concrète sur les migrants, j'espère qu'on pourra revenir après à la politique économique européenne, parce que sinon, on ne répond pas aux mêmes questions les uns les autres. Sur l'enjeu du moment et de cette élection présidentielle en France, donc nous, candidats à la primaire, nous devons répondre clairement, est-ce que oui ou non, la France veut continuer à participer à la construction européenne? Est-ce que oui ou non, la France veut être un moteur de la construction européenne? Pour ma part, je réponds oui. Clairement oui à ces deux questions. Je le dis parce que si nous sommes dans une logique d'affrontement au sein de l'Union européenne, alors nous ne pourrons pas régler la question des migrants. Tout le monde n'a pas la même approche sur les migrants en Europe. Moi, ce que je propose, bien sûr, comme l'ont dit d'autres candidats, qu'on renforce l'agence européenne Frontex qui contrôle les frontières extérieures de l'Union européenne. Mais il faut être concret par rapport à la Méditerranée. En Méditerranée, il y a des milliers de personnes qui sont jetées par des passeurs, par des gens qui font de l'argent sur leur dos, sur des embarcations de fortune, et en les mettant en danger de mort, au point qu'il y a eu jusqu'à 5000 morts par an en Méditerranée. Donc première mesure, il faut que les moyens des pays européens comme la France soient mis en œuvre pour empêcher ces passeurs d'envoyer des bateaux. Années qu'on nous c'est dit la marine nationale ça. Française ça fait des années qui qu'on nous dit peut ça. Être mobilisée comme elle l'a déjà été. Les bateaux continuent à traverser la Méditerranée. Deuxième mesure, il y a des associations, des organisations non gouvernementales qui se sont créées pour secourir, pour venir porter secours. Il faut que l'Union européenne leur donne des moyens. Je pense que ce sera plus efficace si ce sont ce sont des organisations non gouvernementales qui viennent parfois, SOS Méditerranée, qui viennent au secours des migrants. Et ça, l'Union européenne doit financer cette politique. Ma question sur François Fillon, c'était est-ce que vous êtes d'accord pour que les demandeurs d'asile soient placés en centre de rétention administrative pendant François Fillon, de leur demande. François Fillon, il ressort il y a quelques jours, dans un meeting à Nice, le mot d'ordre du Front National, c'est-à-dire l'immigration zéro. Ce n'est ni souhaitable, ni possible. La question des migrants, pourquoi elle existe? Parce qu'il y a des gens qui fuient des guerres. On en reparlera sans doute. Ou la misère économique. Notamment la guerre en Syrie qui a jeté des millions de personnes, d'abord dans les États voisins, mais aussi vers l'Europe. C'est aussi les réfugiés climatiques. Une nouvelle sorte de réfugiés qui fuient les endroits qui sont particulièrement frappés par le dérèglement climatique. Et on sait très bien, par exemple, que la progression du désert au Sahel, en Afrique, est liée directement au dérèglement climatique. Donc il faut traiter, évidemment, ces questions au fond et, dans le même temps, accueillir les réfugiés. Il n'y a pas besoin de créer un nouveau statut. Il y a le droit d'asile qui existe en France. Il faut le faire bien fonctionner et accompagner les demandeurs d'asile par un vrai parcours d'intégration en France et leur permettre de travailler dès qu'ils ont déposé leur demande d'asile. N'hésitez pas, si vous voulez réagir à tout ce qu'on se dit, bien sûr, les uns et les autres, mais Jean-Luc Benhamias, c'est vrai que... Non, mais je ne parle pas de vous, je parle des autres aussi, après, puisque chacun veut exprimer des choses, mais on voit bien qu'on va de plus en plus vers un chacun pour soi en Europe.
et vous qui êtes européen, comme écologiste aussi, est-ce que vous avez l'impression qu'on va en sortir ou que d'une certaine façon, la dislocation est inévitable? J'ai juste été 10 ans parlementaire européen, comme d'autres ici présents. Tout à fait. Ce que j'ai vu au fur et à mesure, dans ces 10 ans, c'est la désaffection populaire, pays après pays. Elle venait d'où cette désaffection? Je vous rappelle juste, mais tout le monde s'en rappelle, qu'il y a eu un certain nombre de référendums. Et dans ces référendums, des populations, aussi bien chez nous en France qu'aux Pays-Bas, en Irlande, ont voté non à un référendum. L'Europe n'a strictement rien écouté et a continué comme s'il ne se passait rien. Alors, j'entends votre question tout à l'heure sur le couple franco-allemand. C'est bien le couple franco-allemand, mais ça ne marche plus aujourd'hui. Ce que je propose, moi, et quand je serai président, je le ferai. Je commencerai par faire une alliance avec les pays du Sud. Je rencontrerai en premier le Premier ministre italien, puis après celui de l'Espagne, après celui du Portugal. Et celui c'est ce qu'a dit Arnaud Montebourg, lui aussi, il veut rencontrer tout le monde. Je vais y venir, car dans les convergences de ce que j'ai entendu ici, oui. Je suis totalement d'accord avec Arnaud Montebourg, si nous sommes bien sur un protectionnisme gradué, européen, car l'ensemble des autres pays, États-Unis, Chine, Inde, Brésil, Russie, ne se gênent pas pour faire du protectionnisme. Je parle de protectionnisme européen, pas franco-français. Je rajoute à cela que si, quand j'aurai fait ce socle, quand j'aurai rencontré ces différents premiers ministres, ce socle du Sud, je rencontrerai immédiatement l'ex-Benelux, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, et ainsi nous pourrons aller rencontrer nos amis allemands et dire voilà maintenant le socle. De quel socle je parle? Je termine. De quel socle je parle? Je parle d'un socle social, environnemental et totalement fiscal pour qu'on évite enfin les distorsions de concurrence. Car la concurrence libre et non faussée aujourd'hui en Europe, elle est ni libre et elle est faussée. Manuel Valls, vous avez entendu à la fois François de Rugy et à la fois Benoît Hamon sur la question du droit de travail pour ceux qui déposent des demandes d'asile. Pour François de Rugy, c'est tout de suite. Ils déposent la demande d'asile, ils peuvent travailler. Benoît Hamon, lui, il propose que ce soit 3 mois après. Qu'est-ce que vous leur dites? Que ce sont des doux rêveurs? Que ce sont des idéalistes? Que la France ne peut pas? Mais nous avons mené une action depuis 2012 et nous avons déjà fait face à cette crise migratoire, à la crise des réfugiés. Et là aussi, il faut rappeler les principes d'une action, celle de l'État, celle de la France. Il y a un premier principe absolu qu'il faut respecter, c'est le droit d'asile, même si évidemment il faut aller plus loin au niveau européen pour qu'il soit cohérent sur l'ensemble de l'Union. Mais le droit d'asile, c'est nous, c'est notre tradition et il faut le respecter. Un chiffre. Il y a aujourd'hui 85 000 demandeurs d'asile en France. 10% de plus qu'en 2015. 85 000, 1,5 million en Allemagne. Nous avons mené une politique qui est à la fois généreuse et qui est à la fois maîtrisée. Ça, c'est le premier principe et il faut le poursuivre. Il y a ensuite l'hospitalité républicaine, l'hospitalité de la France. J'étais encore l'autre jour dans un centre d'accueil et d'orientation à Pessat-Villeneuve, à côté de Clermont-Ferrand. Mais il y a là une générosité. Un maire, un militant de la CFDT, dans un village de 500 personnes, avec une association connue, une grande ONG, Forum Réfugiés, avec des Français qui s'engagent et qui n'ont rien à voir avec ces pétitions de la droite demandant à des maires de ne pas accueillir les réfugiés, et rien à voir, bien sûr, avec le discours de l'extrême droite. Mais ils peuvent travailler, demandeurs d'asile, oui ou non? Il faut renforcer et poursuivre ce travail, en effet, pour l'intégration des demandeurs d'asile. Apprentissage du français, intégration à travers la formation professionnelle, logement. Merci. 40% des demandeurs d'asile, contrairement à ce que dit Marine Le Pen, sont aujourd'hui protégés. Merci. Et enfin, il faut de la maîtrise, parce que ce qui est vrai, c'est que les frontières, elles sont là, et l'accueil réponse illimité, ça n'est pas possible. Réponse Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, quand même. Vous entendez, vous l'avez critiqué pendant ces derniers mois, de façon claire, vous êtes concurrent. Vincent Peillon aussi, peut-être. Qu'est-ce que vous dites quand Manuel Valls répète, il faut des frontières, et si faut que ce soit clair. Si vous me le permettez, puisque c'est un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises, nous avons un désaccord profond. Et je crois qu'il a marqué ce quinquennat. La vie, ce n'est pas une ardoise magique. Dans le discours de Munich, Manuel Valls avait dit, au nom de la France, mais à Munich, faisant la leçon à la chancelière au moment où nous avons besoin d'une Europe plus forte. Et malgré tout, étant donné les difficultés de nos amis italiens et de nos amis espagnols, ça se fera avec l'Allemagne, qui là, dans le fond, alors qu'on nous demandait d'accueillir les 160 000, 0,5% de la population, il a dit 30 000, pas plus. Nous sommes à 5 000. Il a raison de dire que les Français sont généreux, que les Français sont capables d'accueillir. On l'a vu d'ailleurs avec le démantèlement si tardif de la jungle. Mais les choses se passent bien quand on le veut. J'ai le sentiment que, dans ce moment, les Français étaient peut-être plus généreux que leurs dirigeants.
Et je crois que vu ce qui nous attend dans les années qui viennent, nous devons prendre les choses autrement et faire en sorte, et moi je partage la proposition de Benoît Hamon, c'est une proposition qui est sérieuse, et de dire lorsqu'on est un dirigeant politique aux uns et aux autres la vérité de ce qui va se produire. 350 000 personnes assassinées par Bachar el-Assad, des millions de personnes jetées sur les routes, et nous n'avons pas de solution diplomatique. Donc nous devons accueillir, et nous devons accueillir dans la durée, et nous avons les moyens de le faire avec les Européens, si nous ne nous mettons pas dans la position, nous-mêmes, de briser l'unité européenne quand elle est là. Arnaud Montebourg, je voudrais vous entendre là-dessus. Générosité, les dirigeants n'ont pas été assez généreux, moins que les Français. Sur le territoire, les communautés chrétiennes, les maires, il y a 500 à 1000 maires qui ont été volontaires pour accueillir des réfugiés, qui l'ont fait eux-mêmes, ont organisé avec les finances publiques locales, parfois chiches, et avec... quand même des résultats extraordinaires. La population réticente au début, l'exploitation du Front National et des manifestations, et la conviction qu'il emporte, une mobilisation des associations. Je pense à cet agriculteur des Alpes-Maritimes qui a injustement été condamné pour avoir accueilli 200 migrants. D'ailleurs, pour rien, et parce qu'il considérait que c'était de sa responsabilité humaine et parce que c'était la responsabilité de la France. Il avait raison parce que cet état d'esprit dans le pays, il est puissant. Et lorsque je dis que nous devons accueillir des réfugiés sur la base du volontariat, le volontariat, il est puissant dans notre pays. Et c'est la meilleure arme pour faire reculer et la peur et la haine, car elle existe aussi. Et je crois qu'elle restera longtemps minoritaire. Je vais vous dire encore un mot. On ne s'en sortira pas si on ne multiplie pas les initiatives pour arrêter les guerres. Ou mieux, c'est mieux d'éviter de les provoquer nous-mêmes. L'affaire libyenne... il faudra y revenir et réfléchir sur le sens de cette intervention. Enfin, on ne s'en sortira pas non plus avec des navires de guerre et des barbelés. C'est impossible. 1% de la population africaine qui bouge et qui fait migration, c'est 50 millions d'habitants sur les routes. Merkel, on ouvre donc les nous allons devoir, nous les Européens, ensemble, engager un plan de développement accéléré et surpuissant dans toute l'Afrique saharienne. Et ça, c'est le travail que je propose. J'ai proposé de créer des universités dans les pays francophones, des voies ferrées, des infrastructures. Jean-Louis Borloo, rendons-lui cet hommage, a proposé l'électrification accélérée. Ce sont des projets qui doivent être financés par l'Europe, la France. Il y a deux personnes qui sont très en retard sur le plateau, c'est Sylvia Pinel et Jean-Luc Benhamias sur ce dossier précis. Qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur Benhamias? J'en ai des choses à dire. Allez-y. Je vous en prie, c'est le moment. Allez-y. J'y vais. Mais dites-le à vos concurrents. Ça va aller, merci. Allez-y. Nos amis italiens et nos amis grecs, quel que soit l'accord passé au niveau du Conseil européen entre l'Allemagne et la Turquie, continuent à accueillir sur leurs côtes plusieurs milliers de personnes absolument tous les jours. Le minimum vital serait que l'ensemble des pays européens partagent. Mais je sais très bien qu'un certain nombre de pays européens, et c'est là où il y a besoin d'un renouvellement total de la structure européenne, je parle de certains pays de l'Est, allez, j'en cite quelques-uns, la Hongrie, la Slovaquie, ont décidé à 4 ou à 5 de refuser tout accueil de réfugiés. Alors nous, on en a accueilli, de mon point de vue, pas assez. Mais j'ai entendu ce que disait M. Montebourg, ce que dit M. Hamon, et ce que dit un certain nombre de mes collègues, on peut en accueillir un peu plus dans le volontariat. Et dans ce cadre-là, je dis que l'accord, ce que je disais tout à l'heure sur ce socle social du Sud, environnemental, fiscal du Sud, permettrait de dire on est capable collectivement d'accueillir un certain nombre de personnes. Mais j'ai entendu aussi ce que disait Vincent Payon et ce que vient de dire Arnaud Montebourg sur les guerres. Mais comment allons-nous arrêter? J'entends bien sur la Libye, je suis d'accord avec toi. Ce que nous avons fait, nous l'avons mal fait. Mais l'Érythrée et le Soudan, comment arrêter, parce que ce sont des réfugiés par milliers qui arrivent de l'Érythrée et du Soudan, comment arrêter les guerres qui, aujourd'hui, par ailleurs, n'intéressent strictement personne? Les guerres oubliées. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y en a une autre qui est oubliée, qui s'appelle la guerre au Yémen, dont personne ne parle. C'est atroce ce qui se passe en Syrie, totalement atroce. Ce qui s'est passé à Alep est absolument inacceptable, mais en même temps, des gens qui, par ailleurs, avec qui nous discutons, et je suis d'accord qu'on discute, je l'ai dit en introduction, et bien pendant ce temps-là, je parle de l'Arabie saoudite, bombarde allègrement les populations du Yémen. Je dis que par rapport à cela, une vraie défense européenne, une vraie communication, une vraie politique étrangère européenne, à quelques-uns, vous avez bien compris que je ne crois plus qu'à 27, l'Union européenne puisse prendre des décisions. Ça demande ce socle dont je parlais jusqu'à maintenant. Sylvia Pinel, je reviens vers vous. Vous avez
avez parlé tout à l'heure du droit d'asile européen. Quand vous entendez Benoît Hamon qui parle, lui, d'un visa humanitaire qui ne s'adresserait plus seulement à ceux qui fuient la guerre ou la répression, mais à ceux qui fuient aussi la détresse économique, ça veut dire, encore une fois, qu'on ouvre les portes pour tout le monde ? D'abord, moi je suis très attachée au droit d'asile. Au droit d'asile qui est un principe fondamental et qui est inconditionnel pour toutes celles et tous ceux qui fuient les guerres et la persécution. Et donc pas la détresse économique. Et évidemment, ce principe doit être maintenu. Ce que je souhaite également, c'est qu'il y ait un droit d'asile européen qui puisse formuler un statut, réfléchir à un statut qui éviterait une forme de concurrence entre les pays, parce que quand on arrive dans tel ou tel pays, la demande d'asile n'est pas instruite de la même manière avec les mêmes critères. Ce qu'il faut pour que la répartition puisse être plus équilibrée en Europe, que ce droit d'asile réponde aux mêmes aspects juridiques. En ce qui concerne la question que l'on a très peu évoquée, c'est celle de la préparation, de l'anticipation des nombreux réfugiés climatiques. Là encore, la France seule ne pourra pas apporter une réponse satisfaisante à toutes ces personnes qui vont fuir beaucoup de zones dans le monde. Ce qu'il faut, c'est que justement, cette politique migratoire, cette politique d'asile européenne, n'attende pas que nous soyons face à ce problème-là pour l'anticiper et faire en sorte que, par l'investissement, par les plans de développement que l'on peut apporter à ces pays, que l'on puisse justement les accompagner et faire en sorte que les choses se passent mieux. Et puis, je veux juste dire un mot sur l'accueil des réfugiés en France. Beaucoup de communes ont accueilli avec beaucoup de dignité et dans de très bonnes conditions ces réfugiés. Et tout cela, pourquoi ? Parce que le gouvernement l'avait bien anticipé. Et moi, je ne peux pas laisser dire que c'était uniquement les collectivités territoriales et les volontaires. Il y avait derrière un soutien de l'État, des services déconcentrés, des préfets, de nombreuses administrations qui ont fait un travail préparatoire remarquable pour faire en sorte de trouver des lieux pour accueillir dignement ces réfugiés. François de Rugy, un mot. Vous avez un mot. J'en ai assez. Que ici comme ailleurs, on met toujours en cause la France. Sans la France, le Mali aurait été déstabilisé et nous aurons connu une crise migratoire. La France est à l'initiative, même si c'est difficile, sur la question syrienne. Et enfin, c'est l'honneur de la France d'avoir tenu cette politique. Il faut être clair ici, où on ouvre les frontières, on est capable de les maîtriser. Et c'est l'honneur de la France, avec Bernard Cazeneuve, avec Emma Coste, ministre de l'Intérieur et ministre de Logement, quand j'étais Premier ministre, d'avoir sorti des gens, 60 000 personnes, de la situation indigne de Calais, de Paris, d'avoir organisé, parce que c'est l'État qui a pris l'initiative, notamment pour les mineurs, et d'avoir accueilli. Et donc, sur ces questions-là, il faut être clair. Quand on gouverne et quand on discute avec les autres responsables européens, je l'ai fait avec les responsables allemands, autrichiens, suédois, qui avaient au début notre politique, qui ont changé de politique. Donc, il faut être sérieux, déterminé, avec des valeurs, de la générosité, mais de la maîtrise, parce que c'est ce que les Français nous demandent et ils savent pouvoir compter. Merci beaucoup. Benoît Hamon, François de Rugy, on reviendra vers Vincent Payan. Benoît Hamon, François de Rugy. Benoît Hamon. Je voudrais dire à Manuel Valls à l'instant que c'est l'honneur de la France que de faire vivre ses valeurs, et de les faire vivre notamment à l'égard des migrants et des réfugiés, en n'étant pas finalement dans cette affaire un des pays dont on a eu le sentiment, objectivement, que dans la prise en charge et l'accueil, au regard de ce que nous sommes, 0,12% de notre population a été accueillie, parmi les moins volontaires pour faire face à ce qu'était cette détresse de beaucoup de réfugiés. Mais nous aurons le débat plus en avant. Ce que je veux dire par rapport au visa humanitaire, dont je rappelle que c'est une recommandation du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, c'est qu'il est indissociable d'une autre chose dont nous n'avons pas parlé. C'est la politique de coopération et de développement à l'égard du Sahel et de l'espace francophone. Je termine, Route FPF, parce que c'est important. Finissons sur ce débat, parce qu'il vous divise, il permet aux Français de vous sélectionner, pardonnez-moi, mais c'est aussi l'exercice qu'on est en train de faire ce soir, pour vous. Non, ça c'est l'exercice que vous voulez faire. Non. Moi je réponds, et je vous réponds que leur développement, c'est notre sécurité. Et je propose que nous inscrivions clairement dans la loi l'engagement international qui a été pris par le président de la République à plusieurs reprises, 0,7% du PIB consacré
au développement des pays qui sont les pays du Sahel, avec un enjeu fondamental. 20% des terres irrigables au Sahel le sont. On voit bien l'enjeu qu'il y a, si on veut éviter les réfugiés climatiques, à mettre l'accent là-dessus. Et une deuxième priorité, il va manquer plus de 100 000 professeurs de français dans l'espace francophone, et notamment en Afrique subsaharienne. Mais ces professeurs de français, ils sont aussi là pour faire quoi ? Pour contribuer à ce que nos valeurs soient partagées, pour contribuer aussi à ce que demain, grâce à la langue française, nos entreprises puissent s'installer, que la coopération soit plus forte et que le développement soit plus rapide dans ces pays. François de Rugy, est-ce que ça vous fait réagir ce que vous avez entendu, l'honneur de la France oui, d'accueillir Oui, je veux surtout qu'on précise bien les choses. D'abord, traiter le problème à la source, parce que beaucoup, la plupart, la très grande majorité des migrants qui prennent la route de l'exil, ce n'est pas volontaire. C'est vraiment parce qu'ils y sont contraints par les guerres ou aussi par les famines. Et donc, la guerre en Syrie, la guerre au Yémen, la guerre au Soudan, c'est ces guerres-là qui provoquent, en Afghanistan aussi, puisqu'il y a toujours des Afghans aussi qui viennent en Europe. Donc ça, il faut le dire, parce que la France, en effet, a fait une action, a pris la tête d'une action au Mali il y a 4 ans. Heureusement qu'on l'a fait, car sinon, ce serait devenu un État islamique. Bamako aurait été pris, la capitale aurait été prise par les groupes djihadistes. Donc ça, on a évité là un chaos dans ce pays qui aurait jeté des migrants supplémentaires. Mais ce que l'on voit bien avec le cas du Mali ou le cas de la Syrie dans à une autre échelle, c'est que la France ne peut pas le faire tout seul. Et donc là, il faut dire clairement les choses. C'est que si on ne joue pas la coordination européenne, si on ne joue pas une politique européenne, on n'y arrivera pas. Et ce sera pareil pour le contrôle des frontières, parce que sur Frontex, la fameuse agence de contrôle des frontières extérieures de l'Europe, le directeur qui est français l'a parfaitement expliqué. Il a dit pourquoi ça ne marche pas bien, parce que les États ne veulent pas abandonner leur souveraineté et le Parlement européen s'oppose à l'interconnexion des fichiers, qui est pourtant le bon sens même pour que lorsque des migrants arrivent, ils soient immédiatement identifiés, qu'ils rentrent dans un fichier commun. C'est la coopération européenne qui nous permettra de gérer ça. De la même façon, moi je le dis, j'étais pour la politique dit des quotas, c'est-à-dire que les pays européens se mettent d'accord ensemble sur combien chaque pays assume dans la politique de solidarité vis-à-vis des migrants. Et c'est dommage qu'à l'époque, on ne l'ait pas fait. Et c'est ce qui a amené l'Allemagne à prendre sa décision unilatérale. Elle a pu le faire, disons-le aussi quand même, l'Allemagne. Vincent, 20 milliards d'euros de dépenses. Vous voulez réagir, 20 milliards d'euros de dépenses en 2016 pour l'accueil des migrants. Et il se trouve que l'Allemagne a un excédent budgétaire de 19 milliards d'euros quand la France a, elle, un déficit de 70 milliards d'euros. Et on peut ajouter, on peut compléter. Taux de chômage français, taux de chômage allemand, situation française, situation allemande. Est-ce qu'on peut comparer exactement et dire on fait la même chose qu'en Allemagne, Vincent Peillon ? D'abord, je voudrais dire à Manuel Valls, avec l'amitié et le respect que j'ai pour lui, que quand on critique des discours qui sont les siens ou même des politiques qu'il a menées en responsabilité, on ne critique pas la France. On critique une politique qui a été menée au nom de la France. Ça n'est pas la même chose et ça rendra le débat plus facile entre nous. On peut avoir. Il n'est pas d'accord, Manuel Valls. Hein ? Bah, le discours de Munich. Allez-y. Je n'ai pas tenu de discours à Munich. Mais enfin, j'ai en revanche affirmé une position qui est celle de la France. En effet, comme chef du gouvernement, j'ai parlé au nom de la France. C'est parfaitement critiquable, mais j'ai parlé au nom de la France. C'est ça la fierté de gouverner. Non, je ne crois pas du tout. Je crois que. Et d'ailleurs, il y a eu. Si j'étais Premier ministre. Bien sûr, mais à ce moment-là, il y a eu une gêne. Il y a eu une gêne, y compris du président de la République. Ah bon ? Car cette position. Je ne savais pas cette position que tu avais cette conversation intime avec. Cette position, qui d'ailleurs n'a pas été respectée, puisque c'était 30 000 et on est à 5 000, n'était pas une position qui nécessairement engageait l'idée de la France ou la France, mais un discours qui a été le tien. En effet, nous nous sommes engagés sur 30 000, nous sommes à 5 000. Et sur les pays européens qui se sont engagés sur cette partie-là, nous sommes les premiers. Et donc, il faudra tenir cet engagement. Mais c'est difficile. Il faut parler avec les maires, avec les associations, Merci, les ONG, avec les responsables de l'État. Merci, c'est difficile à accueillir. Ce n'est pas théorique, c'est concret. Et donc, sur cette proposition, pour conclure, puisqu'il y a un autre sujet très important. Une fois qu'on a quand même précisé cela, il y a d'autres façons de faire. Et la France aurait pu faire autrement, y compris dans l'alliance avec l'Allemagne. Il faudrait faire des corridors humanitaires, parce que depuis tout à l'heure, les questions elles-mêmes confondent ce qui a été trop confondu ces dernières années, c'est-à-dire, en réalité, des migrants qui n'ont pas le choix parce qu'ils sont des réfugiés politiques bombardés et une immigration économique. Et vous dites, est-ce que vous ouvrez pour tout le monde ? Nous accueillons tous ceux, c'est notre tradition, qui chez eux sont bombardés ou en situation d'être tués. Femmes, enfants, vieillards. Réfugiés oui. de guerre. Et donc, ce que nous faisons, c'est des corridors humanitaires, c'est ça que nous aurions dû faire. Plus tôt et mieux que ce que nous avons fait avec des spots, ce qui, ça vient d'être rappelé d'ailleurs, continue de fonctionner de façon
absolument incroyable en Grèce ou ailleurs où le froid arrive et où ces gens sont en très grande difficulté. Et ça, c'était de la responsabilité du gouvernement avec le reste de l'Europe. On peut encore le faire et on aura besoin de le faire pour les années qui viennent. C'est dans les pays limitrophes de la Syrie que nous serons capables aussi de faire la part entre ceux qui sont réellement des réfugiés politiques et les autres. Allez, on n'en a pas été fait. À l'environnement, un dossier qui vous intéresse. Pourrais-je dire, voilà, oui, mais permettez. Alors, un dernier mot rapidement, oui, parce que je viens dire un dernier mot aussi là-dessus. Allez, parle. On y va, parce que vous voulez débattre, on en est très content, mais vous voulez aussi évoquer un certain nombre d'autres sujets. Alors, Arnaud Montebourg, d'un mot. Puisqu'on parle de ce que la France aurait bien fait ou mal fait, il est une chose où elle n'a rien fait. Et ça, ce n'est pas faute de l'avoir demandé lorsque je siégeais au Conseil des ministres et à force reprise. La directive des travailleurs détachés, c'est de l'immigration économique à l'intérieur de l'Union européenne. C'est le dumping social à domicile. Et c'est inadmissible. On a deux poids, deux mesures sur le territoire français. C'est-à-dire qu'on ne paye pas de la même manière les employés qui viennent des pays européens. Donc vous la supprimez, vous la suspendez. Mais il va falloir rétablir l'égalité constitutionnelle entre tous sur le territoire. C'est un sujet qui concerne presque 500 000 personnes, si on regarde les rapports parlementaires, de ces travailleurs européens qui ont parfaitement le droit de venir en France, mais à condition qu'ils soient payés dans les mêmes conditions. Donc on est en train de ruiner nos PME dans je ne sais combien de secteurs. Et ça, c'est inadmissible. Et là, vous voyez, l'Europe n'a rien fait, et nous, Français, où en sommes-nous? Merci. Voilà, je vous propose qu'on change... On ne parlera évidemment pas de tous les sujets si on est trop long. Alors, d'un dernier mot, mais rapide. Laurent Neumann, on vraiment peut rapide. Non. Essayons d'assumer. On a décidé de parler de l'Europe. La France dans le monde et dans l'Europe. Et comme nous pensons tous que le destin de la France et de l'Europe sont liés, il y a des sujets essentiels, peut-être au détriment d'autres qui le sont aussi, mais que nous ne pourrons pas aborder. Non, mais... Cette affaire des travailleurs détachés est essentielle. Parce qu'en effet, elle mine la confiance des ouvriers, des salariés de ce pays, dans des secteurs essentiels comme le bâtiment ou l'agriculture. Mais nous ne pouvons pas laisser dire, je ne peux pas laisser dire, je le dis évidemment très directement à Arnaud Montebourg, mais parce que nous parlons aux Français que rien n'a été fait. Nous sommes en train de réviser cette directive. La France est alliée avec un certain nombre de pays, 5 de mémoire. Donc il faut aller jusqu'au bout, parce qu'en effet, l'Europe, c'est la libre circulation des travailleurs, mais ça n'est pas la loi de la jungle. Donc, il faut reconnaître que la France est engagée. C'est quelque chose d'essentiel avec l'ensemble des fédérations, du bâtiment, des entreprises, parce que là se joue, encore une fois, l'avenir de l'Europe et l'idée que les peuples... Vous avez parlé deux fois plus que Jean-Luc Benamias. Eh ben, on est juste à troisième révision pour rien. On arrête là, si vous voulez bien, parce que c'est vous, messieurs et madame, qui avez souhaité parler d'environnement. C'est le moment, on en reparlera. Je veux travailler... Votre sujet, c'est aussi l'environnement, Jean-Luc Benamias. C'est votre sujet. Permettez-moi de dire que sur les travailleurs détachés, j'ai été 10 ans député européen, et je me suis occupé de cette directive, car comme tu viens de le rappeler, c'est pas la première fois. Et que je portais un certain nombre d'amendements avec des amis... Votre proposition, elle est très simple. Allons-y. C'est que pour les travailleurs détachés, ce soit le salaire du pays d'accueil, les taxes... C'est ce qu'a dit Arnaud Montebourg. Les taxes et fiscalité sont payées dans le pays d'accueil et à charge de la France. Merci. Et le renvoyer dans les pays d'origine, ce sera difficile à trouver parfois dans les paradis fiscaux, de renvoyer dans les pays d'origine ses charges sociales et ses taxes. Merci. Et ça réglerait une grande partie du problème. Je l'ai dit pleinement, en plénière, à l'Assemblée européenne. Malheureusement, j'ai perdu. Merci beaucoup Jean-Luc Benamias. Vous vouliez parler d'environnement. Laurent, c'est à vous. C'est le moment. On va parler un peu de préoccupations de la vie quotidienne aussi des Français. On commence par l'environnement. Ça vous a pas échappé que c'était l'hiver. Il fait froid. Jusque-là, rien d'anormal. On est tous d'accord. On nous promet des coupures d'électricité, des perturbations, des mesures exceptionnelles. Et dans tous vos programmes, il est question d'accélérer, même progressivement, la sortie du nucléaire. Le nucléaire, c'est les 3/4 de notre production d'électricité. Alors, je vous pose la question, François de Rugy, vous, c'est carrément 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que la France peut se passer du nucléaire? C'est très sérieux. C'est le programme qui a été établi, le schéma qui a été parfaitement dessiné par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est une agence publique française, donc qui connaît très bien la situation française et la perspective vers laquelle nous voulons aller. Ça repose sur deux piliers, les économies d'énergie,
Vous disiez qu'il fait froid. On peut dire d'ailleurs à ceux qui nous regardent que ceux qui gèrent ce studio pourraient faire des économies de clim, car nous avons également très froid dans ce studio à cause d'une climatisation excessive. Et ça, ça fait partie des économies d'énergie concrètes qui peuvent être faites en améliorant le confort de nos concitoyens. C'est la rébellion des candidats. Et là, je veux parler des passoires thermiques dont nos concitoyens sont souvent les victimes. Vous savez que la facture moyenne, c'est 2500 euros pour le chauffage en France, mais il y a beaucoup de gens qui dépensent beaucoup plus. Et donc la première priorité, c'est les économies d'énergie et c'est d'aider, et je fais des propositions concrètes, avec un financement garanti. C'est pas l'État qui va payer, mais le financement, il est garanti. D'abord, sur le diagnostic pour aider les gens à faire les bons travaux et ensuite, bien sûr, sur le financement des travaux qui rapportent. Car le but, c'est de baisser la facture énergétique. Moi, je donne comme objectif que d'ici 5 ans, on baisse la facture des ménages de 25%, ce qui permettra un gain de pouvoir d'achat moyen donc de 500 à 600 euros. Et nous reviendrons ensuite sur la diversification énergétique, car il y a évidemment beaucoup à faire pour exploiter les potentiels français. Arnaud Montebourg, vous vous êtes converti à l'écologie. On va essayer de comprendre... Je ne crois pas. Enfin, je pense c'est vous que qui si. Commencez à lire mes programmes. Je pense que vous êtes quand même converti à la question de l'écologie. Sur la question du nucléaire, en revanche, on a un peu de mal à comprendre où vous vous situez. Quand vous étiez à Bercy, vous disiez « c'est une filière d'avenir, vive le nucléaire ». Aujourd'hui, vous dites quoi exactement? Dans votre programme, vous dites « on attend de voir ce que va dire l'autorité de sûreté nucléaire ». Concrètement, on les ferme, les centrales? Lesquelles? À quelle échéance? Et qu'est-ce qu'on fait des travailleurs, 220 000 travailleurs aujourd'hui dans la filière nucléaire? Ma position est tout à fait claire. Elle consiste à dire que l'ennemi, c'est le carbone, le charbon et le pétrole. Okay. C'est une drogue. Donc pour s'en défaire, ça va être difficile. Mais si on attaque en même temps le nucléaire et en même temps le charbon et le pétrole, et qu'on prétend remplacer les deux par des énergies renouvelables, on sait que ça n'aura pas lieu. Donc il faut prendre un problème l'un après l'autre. Donc on a besoin, il faut le dire aux Français, du nucléaire, pour pouvoir accomplir cette réduction, réduire cette addiction au carbone. Donc, la montée des énergies renouvelables, c'est ma proposition. D'ailleurs, je fais mienne les propositions qui ont été adoptées par le gouvernement actuellement. Je crois que c'est un compromis qui est solide, qui peut aller très loin si nous arrivons à le mettre en œuvre. Je fais une proposition très importante de rénovation thermique des bâtiments, car je crois que la première des énergies non polluantes, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et nous pouvons en plus créer beaucoup d'emplois dans l'économie en relançant ces travaux. On peut même les faire financer par de l'argent privé allié à de l'argent public. Okay. Ça va changer aussi le niveau des factures. Mais alors on fait quoi? On ferme? On ferme pas? Les salariés menacent? Les centrales répondent. Les centrales nucléaires telles qu'elles sont aujourd'hui considérées comme devant être fermées par l'autorité de sûreté nucléaire le seront. Les autres, nous en aurons besoin et au fur et à mesure de la vitesse de remplacement, il sera possible d'aller plus vite dans l'abandon d'un certain nombre de réacteurs nucléaires. Voilà, c'est assez simple, c'est juste une position raisonnable et pragmatique. Et sur les gaz de schiste, vous n'avez pas rechangé d'avis ? Madame Ferrari, je vais quand même savoir. Vous dire que il n'était pas dans une situation où les gaz de schiste ont été d'une pollution dramatique pour les sous-sols américains. Il était normal que mon ministère fasse des recherches pour savoir s'il était possible de surmonter cette pollution. La recherche n'est pas interdite. Cela ne veut pas dire l'adhésion. Vincent Peillon, vous défendez, comme tous vos concurrents aussi, sur ce plateau, le pouvoir d'achat des Français. Mais si on regarde les chiffres, le mégawattheure tiré du nucléaire coûte moins cher que celui qui est tiré de l'éolien et moins cher encore que celui solaire. Alors les écologistes sur ce plateau réfute cet argument, néanmoins, il existe, mais de toute façon, il existe globalement, mais peut-être est-ce un choix de société qu'on peut décider de faire ensemble, mais est-ce qu'il ne faut pas dire la vérité aux Français? L'environnement, ça coûte plus cher pour le portefeuille. Bon, d'abord, évidemment, cette question est très controversée parce que c'est ce que vous introduisez. Si vous voulez traiter la question des déchets nucléaires, de ce que va coûter l'encapsulage des centrales, vous n'aurez pas le même prix que quand vous ne considérez pas dans le prix de l'électricité venue du nucléaire, tout cela. Donc, je crois que la position qui est la nôtre, c'est-à-dire 50% de nucléaire à horizon 2025, est une position raisonnable, du point de vue même du développement durable. Regardez ce qui se passe en Allemagne. La sortie du nucléaire amène l'Allemagne à avoir 30% de plus que nous d'émissions de gaz de serre avec le charbon.
Donc, il faut se fixer une trajectoire qui permet dans le même temps aux énergies propres de monter en gamme. Ça suppose de très gros investissements, c'est vrai. D'abord, il va falloir tenir le cap de la COP21. Et on oublie tout le temps qu'il y a un fonds de 100 milliards de dollars qu'il va falloir abonder, parce que là, on est vraiment dans le multilatéral, pour pouvoir faire en sorte que les pays en voie de développement aussi ne soient pas pénalisés dans leur développement. Deuxièmement, on a la question européenne. Pourquoi le plan Juncker à 1000 milliards que je propose? Parce que nous serons incapables tout seuls de faire la transition écologique avec les investissements qu'elle mérite. On a évoqué, Arnaud Bondebourg vient de le faire, la question des bâtiments. Bien entendu, et en particulier la précarité énergétique de nos concitoyens. Il faut viser là. Mais il y a aussi la question du transport. Et puis il y a la question... On va y arriver, on va en parler. Oui, enfin moi j'y viens, je réponds à votre question. De l'alimentation et de la santé. Mais je voudrais attirer l'attention sur une chose. Il faut faire très attention, vous l'avez dit à l'instant, sur le coût de tout ça. Ouais. Et il faut faire attention à la fiscalité écologique. De 2012 à 2017, la fiscalité écologique a augmenté de 46% pour un ménage avec deux enfants qui ferait 50 pleins de diesel par an. 46%. Vous savez que j'ai proposé, c'est la même chose que les taxes d'habitation. Et c'est là que ceux qui sont les plus fragiles de la population sont touchés. La montée de ces taxes et des taxes immobilières. Et dans ce que j'ai proposé, c'est-à-dire un bouclier fiscal pour les plus modestes, il faut introduire cette question de la fiscalité écologique. Sinon, on n'y arrivera pas. Parce que le vrai développement durable, c'est d'autres modes de comportement, donc habitation, logement, transport, nourriture. Et enfin, il faut encourager, bien entendu, dans ces questions, l'agriculture biologique. Il est tout à fait important que les circuits courts et même les achats pour ceux qui font de l'achat public soient déterminés. Benoît Hamon, je me tourne vers vous. Vous vous présentez, et je pourrais dire la même chose de tous ceux qui sont là ce soir, comme le candidat de l'emploi. Or, la filière nucléaire, puisqu'on parlait de ce sujet-là, c'est 220 000 emplois, c'est ce que disait Laurence à juste titre. Qu'est-ce qu'on dit aux salariés de cette filière? Qu'est-ce qu'on dit à ceux de Fessenheim qui sont en train de manifester? Vous allez perdre votre emploi. Il faut se préoccuper du court terme. Ce que feront les salariés qui travaillent dans la filière du nucléaire. Et c'est du concret, hein. Et absolument. Du moyen et long terme. Vous devriez effectivement travailler un petit peu la question et connaître les rapports de l'OCDE qui disent qu'à quantité ou à production d'énergie équivalente, les énergies renouvelables créent 6 fois plus d'emplois que le nucléaire. Première remarque. Donc si on veut des gisements d'emplois liés au développement des énergies renouvelables, ils sont là. Il faut penser la territorialisation d'unités de production d'énergie qui permettent à une commune, à une communauté de communes, d'avoir leur propre source de production d'énergie, ce qui leur permettra d'être autonomes. Il faut penser des transitions de façon à faire monter aujourd'hui la production de mégawattheures par les énergies renouvelables. Et c'est pour ça que moi j'en signe un objectif d'ici 2025 qui est de porter à 50% le mix énergétique à partir d'énergies renouvelables. Il y a là dans le champ de l'hydroélectrique, de l'éolien, du photovoltaïque, des capacités de développement considérables. Pour cela, le verdissement de la finance peut nous y aider. Je rejoins l'objectif qui est celui de Vincent Peillon de mobiliser demain les financements européens de façon à permettre cette transition écologique. Je veux terminer en disant que ce serait une grave erreur de considérer qu'aujourd'hui, parce que le coût du mégawatt-heure est inférieur pour le nucléaire, il ne le sera pas demain beaucoup plus cher dès lors que le vieillissement de notre parc nucléaire amène à des coûts d'entretien, des coûts de maintenance, des coûts de mise en sécurité qui vont considérablement augmenter les coûts de production d'énergie nucléaire. Donc le choix de l'énergie renouvelable aujourd'hui, c'est le choix aussi des économies pour les Français. Manuel Valls, je vais vous poser une question. Au regard de votre temps de parole, vous aurez peu de temps pour y répondre. Le diesel, c'est devenu la nouvelle bête noire des écologistes. Il faudrait tout arrêter en 2025. Qu'est-ce qu'on dit aux automobilistes? 52% des automobilistes français ont des voitures au diesel. Qu'est-ce qu'on dit à la filière automobile qui doit aussi adapter son outil de production pour aller vers l'électrique? J'ai engagé, comme Premier ministre, la convergence de la fiscalité sur l'essence et sur le diesel. Et il faut maintenir ce cap. Il faut le faire avec méthode. Au fond, l'urgence climatique, c'est-à-dire l'avenir de la planète et l'avenir de l'espèce humaine, nous oblige à des sauts technologiques majeurs et à des changements. Alors en même temps, il faut avoir une stratégie. Ce qui a été dit par Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, j'y adhère, c'est ce qui a été mis en œuvre depuis 2012 concernant le mix énergétique, c'est-à-dire à la fois maintenir la filière nucléaire, mais aussi développer les énergies renouvelables. Et en même temps, il faut accompagner. C'est là où les investissements européens, c'est là où les investissements français, c'est là où la fiscalité peuvent être utiles, accompagner l'industrie automobile, transformer et puis accompagner les citoyens. Parce que, évidemment, il faut engager cette convergence et nous savons, un moment ou l'autre, que nous sortirons du diesel,
mais il faut le faire en écoutant aussi hommes, ces femmes, ces salariés qui peuvent se sentir eux-mêmes très directement pénalisés. Bah justement, Jean-Luc Benhamias, d'abord, je vous ai vu réagir sur le prix des énergies renouvelables, vous allez y répondre, mais d'une certaine façon, on peut, pour poursuivre cette idée, est-ce que... changer de mode, mettre fin au diesel, pour prendre cet exemple concret, c'est pas une question de bobo. Est-ce que ça ne parle pas seulement à certains Français des grandes villes qui peuvent se déplacer autrement? Qu'est-ce que vous dites aux habitants de zones périurbaines qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, pour aller faire leurs courses le dimanche, le samedi, etc.? Je dis que vous avez raison, puisqu'effectivement, le diesel a été à près de 70% ce qu'on a vendu, que les constructeurs ont formé en France, et dans très peu d'autres pays du monde d'ailleurs. Je dis que dans ce cadre-là, l'idée de 2025 me paraît intelligente pour les constructeurs. Je dis qu'après, il faudra voir, mais dans les grandes villes, je pense qu'il faut continuer à interdire le diesel à certaines voitures, en aidant évidemment les propriétaires les plus pauvres à changer d'automobile. Mais pour le reste, c'est obligatoire, et nous y arriverons, et nos constructeurs, vous avez vu qu'on change de modèle de société, le numérique, tout ce qui est construction en 3D, tout ça donne des possibilités, des capacités. D'ailleurs, c'est bien un cadre quand on discutera de l'emploi, à totalement moderniser. Et dans ce cadre-là, les 1000 milliards d'investissements proposés par Vincent Peillon, je soutiens totalement cette proposition. Mais je ne voudrais pas discuter que du diesel, car on parle du nucléaire. Alors, je vous le dis, on aurait eu ce débat il y a quelques années, on aurait mis Areva en avant. Dommage. Areva est tombée en faillite. Et ça coûte très cher et ça augmente évidemment le prix de l'énergie électrique produite par le nucléaire. Je n'aimerais pas qu'Électricité de France, qui date, comme chacun sait, du Conseil national de la résistance et de la production électrique qu'on a voulu mettre en place pour tout le monde. Je n'aimerais pas qu'EDF tombe en faillite dans les années qui viennent. Or, si nous continuons à avoir une industrie massive par rapport... Tout le monde revient de quoi je veux parler, c'est-à-dire de l'EPR, et que nous continuons à vouloir construire l'EPR, qui, je vous le rappelle, en quelques années, est passé de 3 milliards en Finlande à peu près à 17-18 milliards. Et on en vend aux Anglais, mais c'est nous qui payons. On en a vendu deux, on essaye d'en vendre deux aux Anglais. Je dis que par ailleurs, par rapport aux salariés, ils n'ont pas d'inquiétude à avoir. Les énergies renouvelables, et ce sont des salariés intelligents, qu'ils soient ouvriers, ingénieurs, chercheurs, tout ce qui existera dans les énergies renouvelables, ils sauront le faire. Et je dis par ailleurs que la gestion des déchets nucléaires, nous en avons pour plusieurs centaines de milliers d'années. Et je dis aux salariés de la Hague, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Vous aurez plusieurs générations qui continueront à travailler sur le démantèlement des centrales nucléaires et sur ce qu'on peut appeler comment mettre en place une gestion des déchets radioactifs. Nous en avons produit... Je crois qu'on vous a bien compris. Je continue. Je vous interromps parce que votre... Non, ça va très bien, merci. Je regarde le temps, je l'ai en face de moi. Oui. Je finis. En l'occurrence, je voudrais céder la parole à d'autres parce que Sylvia Pinel, en l'occurrence, ne s'est pas encore exprimée. Je ne prendrai jamais la parole. Et elle est en retard, figurez-vous. Sylvia Pinel a la parole à ma place, comme vous voulez. Sylvia Pinel, je reviens un tout petit peu en arrière. On a parlé du diesel, on a parlé aussi d'épisodes de pollution sur plusieurs villes, je pense à Paris, Lyon, Grenoble. On parle de 48 000 morts prématurées par an à cause de la pollution de l'air. C'est 12 fois plus que le nombre de morts sur la route. Alors je vous pose une question extrêmement simple. On fait quoi, là, concrètement, maintenant? Vous auriez pu citer Toulouse, le Tarn-et-Garonne et aussi les Hautes-Pyrénées, que je connais bien, qui ont subi aussi des épisodes de pollution. Ce qu'il faut, c'est avoir une politique énergétique global, une vision claire des choses. D'abord, le premier objectif, c'est la diminution des énergies fossiles. Je crois que nous sommes tous d'accord. Et pour autant, le débat s'enclenche autour de la divergence entre énergie renouvelable et nucléaire. On parle là de deux énergies qui sont complémentaires, selon moi. Moi, ce que je souhaite, c'est un soutien déterminé aux renouvelables, et notamment dans les bâtiments, dans le logement, parce qu'il faut effectivement faire des économies d'énergie, réduire la facture énergétique de nos compatriotes, donner aussi de l'activité, et l'ensemble des travaux de rénovation, un plan massif, effectivement, tout ce qui a été dit sur l'Europe pour nous accompagner dans cette démarche, c'est évidemment nécessaire. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait vraiment une complémentarité. Et pour ma part, je considère que maintenir le nucléaire à un niveau suffisant est un gage d'indépendance énergétique de la France. On le voit bien avec l'épisode de froid qu'on nous prévoit pour la semaine prochaine. Il faut relancer un certain nombre de réacteurs. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité, il faut être réaliste. On peut effectivement considérer
que l'objectif à atteindre est la diminution du nucléaire, et nous sommes ici d'accord sur ce point, mais moi je pense quand même que sortir du nucléaire à 50% dans 8 ans, ça me paraît très ambitieux comme objectif. Parce que derrière, il y a sur les territoires, vous l'avez rappelé, 220 000 professionnels, des personnes extrêmement qualifiées, puisque c'est une filière d'excellence qui fait appel à de nombreux savoir-faire, et aussi beaucoup d'entreprises qui animent les territoires. Donc il faut quand même faire attention à cette transition énergétique qui ne soit pas brutale pour que ces salariés, mais aussi notre indépendance, soit bien assurée. Donc, il faut une politique pragmatique en la matière. Oui, un soutien aux énergies renouvelables, oui, des travaux, des investissements, mais aussi maintenons le nucléaire à un niveau suffisant. François de Rugy, peut-être, là-dessus, oui, sur le nucléaire, avant de passer à la pollution. Je sursaute un peu quand j'entends encore parler, à gauche, de l'indépendance énergétique autour du nucléaire. D'où vient le carburant des centrales nucléaires? Ce qui fait tourner les centrales nucléaires, l'uranium. Ça vient à 100% de l'étranger, 100% importé, du Niger, du Kazakhstan, des pays en plus peu fiables. Et on dirait, on continuerait à dire aux Français qui nous regardent que c'est l'indépendance énergétique de la France. Pour le produire en France, si cher à Arnaud Montebourg, et je partage cela, ben il faut développer les énergies renouvelables. C'est les énergies renouvelables qui sont sur notre territoire. C'est l'éolien, c'est le solaire, c'est la biomasse, c'est l'hydroélectricité, c'est la filière bois-énergie, c'est les énergies marines renouvelables qui créent une filière industrielle, et je le sais bien, en Loire-Atlantique, à Saint-Nazaire. Voilà ce qui permet de garantir l'indépendance énergétique de la France, de lutter contre l'effet de serre, et je le dis aussi, j'ai sursauté quand j'ai entendu Vincent Peillon dire dans une autre émission de télévision que le nucléaire était l'énergie la plus propre. Mais enfin, c'est l'énergie qui produit des déchets nucléaires dont on ne sait pas quoi faire pendant des milliers d'années. Donc il faut à la fois lutter contre la pollution de l'air liée aux énergies fossiles, il n'y en a quasiment plus en France d'ailleurs, lutter contre le nucléaire qui nous fait dépendre de l'étranger et développer les énergies renouvelables qui développeront des emplois partout sur notre territoire, des emplois ancrés dans le territoire, dans des PME, dans l'industrie, mais aussi des emplois non délocalisables. Monsieur Peillon. Oui, ce que j'ai dit, mais François de Rugy n'est pas bienveillant, c'est normal, il y a une petite émulation sans doute. Ce que j'ai dit, sur France 2, dans une émission Je vais finir ma phrase, si tu le veux bien, François. C'est ce qu'on a dit tous ensemble tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il faut y aller doucement, parce que quand on y va trop vite, il se passe ce qui se passe en Allemagne. Et donc, que de ce point de vue-là, en revenant au charbon, on émet plus de gaz. Mais personne ne propose de revenir au charbon en France. Il n'y a plus, quasiment plus de centrales à charbon en France. Et il n'est pas question d'en rouvrir. Il est question de développer l'éolien, le solaire, la biomasse, la filière bois, l'hydroélectricité. Et si on y va trop vite, on va avoir ce problème. On sera et je rappelle quand même, ça, c'est sûr. Et je rappelle y compris que pour la COP21, un certain nombre des pays à qui on a demandé de réaliser ces objectifs le font en achetant des centrales nucléaires. Ouais. Donc il faut sur ces positions ne pas toujours être dans des positions totalement orthodoxes et essayer d'être raisonnable. Je pense qu'il faut aller vers les énergies renouvelable, mais je pense en même temps qu'il faut dire la vérité aux Français. Ouais. Benoît, je voudrais. Ah, pardon. Pardon. Non, Benoît, alors, Arnaud Montebourg veut parler. Non, je veux laisser Benoît. Il est... Ah, bah alors, laissez Benoît, alors. Que de politesse. Non, mais moi, je partage le point de vue de François de Rugy. Je pense qu'aujourd'hui, il a évoqué l'éolien, il a évoqué les énergies marines. Sachez, par exemple, que DCNS, qui est quand même un de nos champions, aujourd'hui industriel, a ouvert une filière d'énergie marine. On a aujourd'hui, dans ce domaine-là, largement les épaules pour porter dans le mix énergétique 50% d'énergie renouvelable. C'est une affaire de choix politique. Et objectivement, dans ce domaine-là, effectivement, il ne faut pas avoir la main qui tremble. Parce que le lobbying est un lobbying puissant de celles et ceux qui veulent maintenir le parc nucléaire et faire en sorte qu'on continue à dépenser beaucoup d'argent pour que ce soit le cas. Et j'approuve totalement ce qu'a dit François de Rugy sur le point de l'indépendance. L'indépendance énergétique suppose de ne pas être dépendant du point de vue du minerai, de l'étranger, notamment quand l'uranium est produit ailleurs, là où le soleil, le vent, les énergies marines, nous pouvons les exploiter ici. Donc sur ce point, je partage le point de vue de François de Rugy, nous avons largement les moyens, il faudra ensuite la force et la volonté politique de le faire, de porter à 50% les énergies renouvelables d'ici 2025 dans le mix énergétique. Vous êtes d'accord surtout avec Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, tous les deux ? Je crois qu'on peut aujourd'hui imaginer un changement profond dans la société, une transformation presque culturelle de la société. Et pour ma part, la façon dont on a imaginé les énergies renouvelables dans notre pays, on les a centralisées comme on avait fait finalement le charbon et le nucléaire. Et l'idée pour moi, c'est que chacun va devenir, et ça a déjà commencé dans la société française,
producteurs d'électricité, à la maison, à l'usine, au bureau, à la ferme. Ça commence à se développer et c'est comme ça que les énergies renouvelables rendront finalement inutile, peu à peu, le nucléaire dans quelques années, décennies. Mais pour moi, c'est un changement de société à la base. Et c'est ça qu'il faut stimuler. Et là, pour l'instant, nous sommes plutôt en retard par rapport à beaucoup d'autres pays dans le monde. On va peut-être passer à un autre thème, si vous le voulez bien. Il y a un autre enjeu de santé publique et de sécurité que vous évoquez tous dans vos programmes, c'est la dépénalisation de la consommation de cannabis. Benoît Hamon, vous êtes favorable à la condition d'encadrer... Pas tous, d'accord. Mais, que vous évoquez tous dans vos programmes. Je n'ai pas dit que vous étiez tous d'accord, monsieur Valls. Je ne l'évoque pas, donc... Alors, vous êtes absolument contre. On va peut-être passer la parole à Benoît Hamon. Lui, il est favorable. Est-ce que c'est bien à l'État d'encadrer et de contrôler la distribution de cannabis? D'abord, est-ce que la politique marche? Est-ce que le tout répressif a amené à une baisse de la consommation de cannabis et à arrêter les désordres liés au trafic? Non. La réalité, c'est que le cannabis peut conduire à des addictions extrêmement graves qui supposent des politiques de santé publique qui justifient qu'on y consacre l'essentiel des moyens. La voie que je propose est la suivante. Elle s'inspire de ce qui s'est fait dans le Colorado comme au Portugal. Elle est de légaliser la distribution du cannabis pour consacrer les 535 millions d'euros aujourd'hui qui vont à la répression. À quoi ? À la prévention, le à faire en sorte que. Il a légalisé. Et même au-delà du cannabis, que je ne propose pas. Et ce que je propose, c'est de faire en sorte que demain, plutôt que de laisser des jeunes aujourd'hui aller acheter dans l'illégalité des produits parfois dangereux pour ce qu'ils consomment, à des personnes potentiellement dangereuses et qui peuvent leur proposer autre chose. Je propose de sortir d'un système qui ne marche pas, qui entretient une économie qui est une économie aujourd'hui qui construit des ghettos et de la violence dans certains territoires de la République pour passer à une politique de santé publique. Consacrons 535 millions d'euros davantage à la santé, à la lutte contre les addictions qu'à la prohibition, quand la prohibition est strictement inefficace. Le nombre de consommateurs de cannabis n'a jamais cessé d'augmenter. Nous sommes même les champions d'Europe. Sylvia Pinel, vous aussi, vous êtes pour la légalisation du cannabis. Vous dites que c'est un bon moyen de lutte contre les réseaux et les trafics. Et la question traditionnelle qu'on pose dans ce cas-là, on dit, est-ce que ça ne déplace pas les trafics sur d'autres drogues? De toute façon, ces trafics qui se maintiennent. La question de la légalisation du cannabis, c'est un enjeu de santé publique. Benoît vient de le rappeler et j'y souscris, mais c'est aussi un enjeu de sécurité. Aujourd'hui, les réseaux, les trafics polluent la vie d'habitants de quartiers, mais aussi on voit ces trafiquants à la sortie des collèges et des lycées. Ce qu'il faut, c'est, en encadrant la distribution de cannabis en pharmacie, cela permettra en effet d'assécher ces trafics et ces réseaux concernant effectivement le cannabis, pas les autres réseaux de stupéfiants. C'est la raison pour laquelle j'ai une nuance par rapport aux moyens que Benoît veut consacrer à la prévention. Moi, je pense qu'il faut redéployer les forces de l'ordre qui s'occupent de ce combat contre le cannabis pour les redéployer sur d'autres missions, et notamment les autres trafics de stupéfiants, mais aussi d'autres missions que l'on a pu évoquer précédemment, comme la lutte contre le terrorisme, puisque on le sait, les réseaux mafieux effectivement s'organisent et ont parfois un certain nombre de connexions. Donc il ne s'agit pas en effet de ne plus rien faire sur la sécurité. Il faudra bien sûr lutter contre les autres drogues et les autres réseaux mafieux, mais sur les questions de santé publique, il faut aussi regarder les choses en face aujourd'hui, et les autres solutions n'ont pas marché, donc essayons celle-là qui a fonctionner dans des pays proches de nous. Manuel Valls, je confirme que vous ne parlez pas de ce sujet-là dans votre programme. En revanche, vous vous êtes exprimé à plusieurs reprises. Vous êtes contre, vous avez entendu les arguments, ils sont sanitaires, ils relèvent de la sécurité. Vous êtes ancien ministre de l'Intérieur. Pourquoi ces arguments ne vous convainquent pas? Je suis candidat à la présidence de la République et je sais que l'un des sujets majeurs de préoccupation de mes compatriotes, c'est la santé. Et une grande politique de santé publique s'appuie d'abord sur la prévention. Nous l'avons peu évoqué tout à l'heure, c'est la santé environnementale avec les pics de pollution, avec les particules fines qui ne concernent pas que les grandes agglomérations. Il y avait un reportage, je crois, sur BFM concernant
la vallée de l'Arve, où il était cannabis, il y a quelques jours. Cannabis, non, mais c'est ça une sur grande... le cannabis. Non, mais je suis candidat à la présidence de l'Arve. Oui, mais vous posez des questions précises. Je vais y répondre. Merci. Très précisément. D'ailleurs, vous connaissez même minutes, déjà hein. ma réponse. Deuxièmement, c'est la prévention. Dans tous les domaines de la santé publique, c'est la prévention qui doit être la priorité. Sinon, on fait du curatif et ça coûte beaucoup plus cher à la fin. Enfin, donc les arguments sécuritaires ne vous convainquent pas. Enfin, il faut des interdits dans une société. Il faut des règles. Aujourd'hui, nous connaissons les effets du cannabis sur les plus jeunes, dès le collège. Si vous légalisez le cannabis, vous aurez de toute façon un cannabis plus dur, coupé autrement, qui alimentera d'autres trafics. Et donc, de toute façon, les trafics vont continuer. Et ça sera encore plus difficile en matière de santé publique. Donc, quand on veut gouverner, quand on veut présider un pays, il faut aussi s'adresser à son pays, à ses compatriotes et à sa jeunesse en disant « il y a des interdits, donc je ne suis pas d'accord, ni pour la légalisation ». Et encore moins pour la dépénalisation. Vincent Peillon, est-ce que vous avez décidé si vous êtes pour ou contre? Vous aviez proposé d'ouvrir le débat, ça fait des années, des dizaines d'années qu'on propose d'ouvrir le débat. Aujourd'hui, vous êtes candidat à la présidentielle, vous avez forcément une conviction intime sur ce dossier. J'ai une conviction qui est, j'essaye autant que possible de ne pas me substituer à tous les spécialistes tout le temps, et par contre de prendre en compte ce qu'il peut y avoir d'intelligence dans notre pays. Il y a deux, à mon sens... deux catégories de professionnels qu'il faut écouter très précisément sur ces questions. Manuel Valls vient d'évoquer les personnels de santé, et puis il y a les personnels de sécurité qui se plaignent aussi beaucoup. J'ai vu l'appel des Marseillais, je connais les difficultés de Marseille, et donc je crois que si nous allons dans cette direction, qui peut être judicieuse étant donné les échecs de la prohibition, il faut amener tous les Français à comprendre les enjeux, comme sur beaucoup de débats de société. Et donc, lorsque je dis un débat, vous dites, il y a longtemps qu'on dit un débat, vous avez raison, mais on ne l'a jamais organisé. Et donc, les gens sont très perdus sur ces questions, comme bien d'autres. Et donc, je crois qu'il faut maintenant cheminer, et que pour cela, si je suis président de la République, j'ouvrirai sérieusement ce débat, qui mérite une grande conférence nationale, parce que c'est la protection de notre jeunesse, et les résultats français en termes d'épidémiologie, c'est-à-dire de santé sur les jeunes qui consomment, avec des pathologies très graves hein, sur la consommation de haschich, c'est très mauvais. Donc la prohibition, c'est très... Vous n'avez pas encore décidé, donc apparemment, hein, c'est plutôt clair. Judicieux. Jean-Luc Benhamias et François de Rugy, j'ai une même question avant que Laurent aille vers Arnaud Montebourg. Est-ce que les Français sont prêts? De quelle manière les convaincre pour ceux qui sont opposés? 40 ans d'hypocrisie. 40 ans d'hypocrisie sur le nombre de festivals qui existent en France où la consommation de cannabis et ses dérivés est absolument totale. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui en fument. 40 ans d'hypocrisie dans nos différents stades, au niveau des milliers de personnes qui sont dans les stades, aussi bien pour le football que pour le rugby, où tout le monde ne fume pas, bien sûr, et heureusement, mais où un certain nombre de milliers de personnes fument. On peut toujours faire l'autruche, continuer. La prohibition n'a pas réussi. Je pense que nos forces de police, nos forces de l'ordre, notre justice a autre chose à faire que de s'occuper de petits dealers et de petits fumeurs. Quoique, une chose est certaine aussi en France, c'est qu'on peut dire, et je suis pour, Manuel, ne t'inquiète pas, l'interdiction au moins de 18 ans, comme pour l'alcool et comme pour le tabac, car c'est dangereux, l'addiction c'est dangereux, il faut que les jeunes apprennent. Après, il y a deux utilisations du cannabis, et l'un est totalement oublié dans notre pays, pas forcément par tout le monde, parce qu'il y en a un qui en a parlé, il s'appelle Daniel Vaillant, il était juste ministre de l'Intérieur, il l'a fait après être ministre de l'Intérieur, ça s'appelle le cannabis thérapeutique. Oui. Plusieurs centaines de milliers de nos concitoyens, et là je ne parle pas des jeunes, je parle de ceux qui ont la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, pour des douleurs spécifiques, la sclérose en plaques, différents cancers, qui utilisent par centaines de milliers, en achetant de manière illégale des produits sur Internet, aussi bien aux États-Unis que dans le reste de l'Europe. Et je dis qu'à ce niveau-là, je ne confonds pas le cannabis récréatif, car il n'y a pas que les jeunes qui fument du cannabis. Un certain nombre de personnes âgées, voire même très âgées, fument du cannabis. Et on va les interdire. On ne va pas vous demander à chacun si vous en avez déjà fumé. Hein. Je vous rassure. Ça m'est arrivé. Okay. Je vous rassure. Ok, donc, pas ce soir. Sourire gêné, après. Pas ce soir. Sourire gêné dans le public. Ah, sourire gêné, c'est incroyable. Vous vous rendez compte de sourire gêné par rapport à une pratique qui existe sur plusieurs millions de personnes et en France. Et comment se fait-il, je termine là-dessus, oui, merci. Comment se fait-il que 30 États américains soient passés sur le cannabis thérapeutique ou récréatif à la légalisation totale, à la dépénalisation? Comment se fait-il qu'en Amérique latine, un certain nombre de pays soient passés aussi? Comment se fait-il, je termine vraiment là-dessus, que dans le cadre de l'Union européenne, nous soyons le seul pays à ne pas réussir à en débattre? Merci beaucoup. François de Rugy.
Alors moi, je voudrais dire justement que mon approche, elle est d'abord centrée sur la sécurité. Je ne suis pas fumeur, justement, ni de cigarettes, ni de cigares, ni de pipes, ni de joints. Et je connais les dégâts du tabac, les dégâts du tabagisme, les dégâts de l'alcoolisme, et personne, ça ne viendrait à l'idée de personne, et heureusement, de faire la prohibition sur le tabac ou l'alcool. On sait immédiatement ce que ça créerait, des trafics monumentaux, ça a existé aux États-Unis dans les années 30, et ça a fait la fortune d'Al Capone. Aujourd'hui, c'est ça la réalité sur le cannabis. Un trafic qui génère de la violence, qui génère de la délinquance organisée, qui génère de l'argent sale et qui pourrit la vie d'un certain nombre de nos quartiers partout en France, pas simplement à Marseille, je peux en témoigner en tant qu'élu de Nantes. Donc moi je veux sortir de cette situation pour que les policiers, les magistrats puissent se concentrer sur d'autres tâches. Et puis je voudrais sortir de l'hypocrisie parce qu'aujourd'hui, dans un bureau de tabac, et je considère que ce sont les bureaux de tabac qui devraient assurer la commercialisation contrôlée, eh bien on vend tout ce qu'il faut pour faire des joints, sauf le cannabis. Donc là aussi, il faut sortir de l'hypocrisie et se donner les moyens de traiter le problème de front. Et je propose, pour rassurer les Français qui s'inquiètent, qu'on fasse une loi pour 5 ans. Et si au bout de 5 ans, eh bien, on fera le bilan, si on constate que le bilan est négatif, on reviendra au système ancien, sinon, on fera perdurer la loi. Et d'un mot, et ce sera le dernier sur ce sujet-là, Arnaud Montebourg, vous êtes contre, ça vous fait un point commun au moins avec Manuel Valls, mais il y a de l'hypocrisie, 4 millions de personnes à en avoir fumé pendant l'année. C'est alors pas pourquoi le seul, c'est pas le seul. J'ai quelques réticences au regard des exigences de santé publique. Regardez les milliards qu'on engloutit pour convaincre les gens de cesser de fumer ou de se livrer à l'addiction de l'alcool. C'est les dégâts de la santé qu'a rappelé Vincent Payon sont réels. Est-ce qu'une politique publique doit consister à ouvrir l'autorisation alors qu'on sait que c'est un produit qui est nocif ? Maintenant, ce que souligne Benoît Hamon est parfaitement réel. Je me suis rendu à Beson, dans un quartier où les mamans faisaient monter la garde pour protéger leurs enfants parce que même la police n'était pas présente pour arrêter ou procéder aux arrestations sur le trafic sur des dimensions considérables. Donc il y a une submersion des pouvoirs publics. Mais si à chaque fois que les pouvoirs publics sont submergés, il faudrait autoriser, jusqu'où irons-nous ? Donc nous avons là, je crois, un débat à ouvrir. Je ne suis pas certain que la bonne position soit autour de ces pupitres. Il serait utile que les citoyens soient associés à ces décisions. Un référendum ? Je n'irai pas jusque-là, mais au moins une conférence, comme on dit, de consensus, où on cherche un point d'équilibre entre des points de vue qui sont quand même très opposés. Je dois vous dire que je pense inutile que l'élection présidentielle se déroule autour d'un sujet de cette nature. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, justement, c'est le moment de la pause publicitaire. Vous allez rester avec nous. On se retrouve donc pour la seconde partie de ce débat diffusé en direct sur iTélé, BFM TV et RMC. Deux grands thèmes à aborder, l'exercice du pouvoir, qu'est-ce que la gauche a raté lors du quinquennat de François Hollande, et puis l'éducation nationale, mère des réformes. Deux d'entre vous ont été ministres de l'éducation. Et bien sûr, la laïcité, quelle vision, quelle France laïque pour 2017 pour chacun d'entre vous? Alors, sur ce plateau, bien cinq personnes, cinq candidats donc, ont été ministres. Il y a un grand absent ce soir, c'est François Hollande, qui semblerait d'ailleurs ne pas nous regarder en direct, mais être au théâtre. Il y a quelques jours, vous avez été interrogé sur son bilan. Et on est un peu resté sur notre faim. On va revenir un petit peu sur les leçons que vous avez tirées de ce quinquennat. Quel président différent vous seriez, ou semblable, si c'est le cas. Manuel Valls, vous avez dit que vous étiez fier du bilan de François Hollande et vous vous revendiquez d'une gauche réaliste, réformiste, pragmatique, une gauche de gouvernement. Est-ce que cela veut dire que vous accusez vos concurrents d'être au mieux des doux rêveurs ou au pire de tromper les électeurs, de leur faire des promesses irréalistes ou d'être dans une gauche protestataire ? Diantre, quelle drôle de question. J'ai revendiqué ma fierté, oui. D'abord d'avoir gouverné. Je suis lucide, à la fois bien sûr sur les réussites et sur les échecs. Et je suis convaincu qu'il faut, dans bien des domaines, nous parlerons de l'éducation nationale tout à l'heure, évidemment il y a la question de l'emploi, il faut aller beaucoup plus loin. Mais quand on gouverne, il faut être fier de gouverner la France, qui est un grand pays. C'est ce que j'ai voulu rappeler. Mais nous sommes candidats à la présidence de la République à travers cette primaire. Donc nous regardons aussi vers l'avenir. Et moi, je veux incarner la France.
Je veux incarner son histoire, sa culture, sa langue. Je veux incarner sa diplomatie, sa défense. Et c'est cela. Les Français attendent d'un président de la République à la fois qu'il incarne, qu'il ouvre de nouveaux chantiers, qu'il tienne compte évidemment de la crise démocratique et de la crise de confiance que nous vivons. Regardons l'avenir, face d'abord aux enjeux politiques, c'est-à-dire qu'est-ce aujourd'hui l'impasse de l'extrême droite et le programme de François Fillon qui ruinerait notre pays. Qu'est-ce que vous faites de différent par rapport à ce qui vient de se passer ? Aujourd'hui, je le disais, François Hollande n'étant pas là, c'est une forme d'échec quoi, pour un président sortant. Qu'est-ce qui est différent ? Qu'est-ce que vous feriez de différent ? Quel président de gauche vous voulez être ? Mais d'abord, il faut respecter le choix du président de la République. Il a fait ce choix. Il y a eu deux grands événements qui changent la donne. C'est la décision de François Hollande et c'est la désignation de François Fillon, qui n'était pas prévue et qui porte un projet dur sur le plan économique et social et conservateur sur le plan de la société. Et il y aura une autre donne désormais. C'est la désignation du candidat de la gauche à travers cette primaire que nous devons réussir grâce à ces débats. Et surtout à travers la participation de nos citoyens, un choix clair, désigner un candidat à la présidence de la République. Et quand on décide de devenir candidat à la présidence de la République, on regarde l'avenir. On parle aux Français, on leur présente un projet, un chemin. Vous n'êtes pas si fier, alors ? Des propositions. Je suis fier d'avoir gouverné, Rutel-Krieff. Et quand on donne la chance à la gauche, dans des moments aussi difficiles, les suites de la crise financière de 2008, la menace terroriste, la guerre qui nous est faite par le terrorisme et la guerre que nous menons aussi au Levant ou en Afrique de l'Ouest, au Sahel, eh bien on assume ses responsabilités. Après, nous sommes sous le regard, évidemment, de la critique et d'abord des Français. Mais moi, je suis convaincu, et c'est pour cela que je suis candidat, que la gauche et la France ont toujours une belle histoire à écrire ensemble. C'est cela avant tout qui m'intéresse. Merci. Benoît Hamon, vous aussi, vous avez gouverné, vous aussi, vous avez été ministre. Et pourtant, vous appartenez à cette gauche qui a beaucoup critiqué François Hollande, qui lui a reproché de ne pas avoir tenu ses promesses. Est-ce que vous aussi, qui faites beaucoup de promesses dans votre programme, des promesses mirifiques, je pense au revenu universel, 350 à 450 milliards d'euros, est-ce que vous ne prenez pas le risque, vous aussi, de décevoir les électeurs de gauche si vous ne les tenez pas ? D'abord, je voudrais saluer la décision du président de la République parce qu'elle nous facilite quelque part les choses. Elle nous les facilite parce qu'elle permet de tourner la page du quinquennat et d'éviter que cette primaire ne soit qu'une primaire qui ait les yeux dans le rétroviseur, préoccupée seulement de dire ce qui a été bien et mauvais, et nous permet au contraire là de nous tourner vers l'avenir et tourner vers le futur. Mais je réponds à la question qui pose sur quel président de la République serez-vous, comme je l'entends, instruit par l'expérience. Je veux simplement dire une chose, qui est ma conviction. Je trouve qu'il y a une forme d'immaturité de la démocratie française à guetter tous les 5 ans lequel des candidats sera le président ou la présidente providentielle. Aucun d'entre nous, pas davantage dans les rangs des Républicains qu'un au Front National ou dans le reste de la gauche, ne sera providentiel. Ça n'existe pas. Et cessons de croire, comme une forme de foi dans la Ve République, que l'un d'entre nous aurait concentré en lui le génie de la nation qui l'amènerait à être la solution au problème. Donc ce n'est pas ainsi que je me comporterai, pas ainsi en prétendant pas détenir la solution à tout. Quelle est la responsabilité du président de la République ? Il est de donner un cap et ensuite les clés pour aller vers ce cap. Les clés, elles sont fiscales, elles sont budgétaires, elles sont aussi démocratiques. Sur la manière dont les citoyens peuvent faire irruption dans les processus politiques de façon à se faire entendre dès lors qu'ils jugent que leurs représentants ne font pas des choix qui sont des choix conformes ou à l'intérêt général ou aux promesses qui sont celles de la campagne. D'où la proposition que j'ai faite. Outre d'une 6e République, que dans cette 6e République, existe le principe d'un 49-3 citoyen, possibilité pour les citoyens, 1% des citoyens inscrits sur les listes électorales, d'obtenir qu'un texte soit examiné à l'Assemblée nationale. Ça ne rend pas la France ingouvernable ? 450 000 personnes qui peuvent bloquer une loi ? En tout cas, en Italie, ça ne la rend pas ingouvernable, ça ne la rend pas davantage la Californie ingouvernable, ni la Suisse. Italie ? L'Italie, à bon escient. Parce que la question qui nous est posée dans la 5e République, les citoyens expriment-ils un désir de moins de démocratie, plus de pouvoir dans les mains d'un seul homme, ou de plus de démocratie ? Ma conviction, c'est plus de démocratie. Et la responsabilité du président de la République, elle est de donner donc les clés démocratiques qui permettent à notre démocratie de respirer et de ne pas rester dans cette forme d'asphyxie qui aujourd'hui explique le désenchantement démocratique et la montée du Front National. Arnaud Montebourg, alors vous êtes soutenu par plusieurs frondeurs. Est-ce que finalement cette fronde que vous avez alimentée à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement quand vous en avez été limogé, est-ce que c'est pas ça aussi qui a mis en échec
la gauche de gouvernement. Est-ce que ça ne symbolise pas aussi le fait qu'aujourd'hui, quel que soit le candidat qui sera sorti de cette primaire, il se trouve en cinquième position dans la course à la présidentielle, derrière Jean-Luc Mélenchon, derrière Emmanuel Macron? Le mot fraude est fronde. Lapsus. Révélateur. Non révélateur. Non. Le mot fronde est inapproprié. Il y a une légitimité démocratique dans ce pays à discuter les choix. Et si je veux exercer une présidence forte, c'est parce qu'elle doit être indépendante des intérêts des puissants. Dans ce pays, il y a un mur des puissants. Invisible, mais bien réel, devant lequel beaucoup de pouvoirs politiques se sont fracassés. La concentration des médias entre quelques mains pour éteindre le pluralisme. Il y a même eu. Vous résistez à la pression des puissants, monsieur Mondeau ? Il y a même une chaîne. Vous résistez toujours à la pression des puissants, monsieur Mondeau ? Votre chaîne, madame Ferrari, monsieur, il y a même Mondeau, le propriétaire de votre chaîne. Donnez toujours votre parole. Qui a, est allé jusqu'à détruire son outil de travail pour empêcher le pluralisme. Les banques qui prétendent gouverner le pays et qui ont réussi à anéantir toute forme de réforme de séparation qui avait été annoncée. Les grandes entreprises du numérique transnationales qui ont réussi à faire de nous une colonie numérique, presque des États-Unis d'ailleurs. Je veux parler aussi des paradis fiscaux à l'intérieur de l'Europe, qu'on tolère en raison de nos accords européens. Il y a donc là... Sur le président de gauche, qu'est-ce que... Pardonnez-moi, j'essaie de répondre à vos questions, même si elles semblent vous déranger dans leur... dans ma réponse. Je veux juste terminer ma phrase. Une présidence forte, c'est celle qui défend l'intérêt des Français. Et qui, lorsqu'il y a un certain nombre d'intérêts contradictoires, est capable de dire non. C'est ce qui a manqué ces derniers temps. Nous avons entendu ce qu'était un pouvoir trop faible avec les puissants et parfois trop dur avec les plus faibles. Et concernant la chaîne que vous évoquez, ETL, elle est là, elle est bien là, et je la représente ce soir, monsieur Montebourg. Sylvia Pinel, on sent un rejet du système des partis, vous le sentez comme nous. Vous avez évoqué l'histoire du Parti radical. Plusieurs personnes autour de ces pupitres sont des représentants du Parti socialiste. Est-ce que, et on sent un engouement, et notamment autour d'Emmanuel Macron, qui se présente comme hors parti. Est-ce que vos partis, et je m'adresse finalement à tout le monde ici, ne représentent pas un système qui est jugé, usé, dépassé, vieilli? D'abord, je croyais que c'était un débat entre les candidats à la primaire de la gauche de gouvernement. J'ai parlé de votre parti. On parle d'un candidat qui a décidé de ne pas y participer, portant une responsabilité lourde. C'est sûr qu'en se disant ni de droite ni de gauche, il peut effectivement ne pas trop savoir s'il était de bon ton d'y participer. Je le regrette. Je le regrette parce que moi, ce que je souhaite, c'est une gauche responsable. Une gauche qui incarne un projet, une vision de la société, mais qui soit aussi loyale, cohérente, cohérente dans ses choix. Et le rôle des partis, justement, c'est de bâtir ces accords de gouvernement, ces pactes de majorité, c'est faire en sorte que l'on puisse gouverner dans la durée. Et moi, ce que je peux regretter, c'est que les divisions, les querelles sous ce quinquennat ont immanquablement affaibli notre propre camp. Et bien sûr, le débat est souhaitable, mais ces polémiques permanentes ont fait que moi, je suis assez surprise d'entendre vos questions sur la perception, l'échec du quinquennat. Mais souvenons-nous de ce qu'était la situation de la France lorsque François Hollande a été élu. Il a fallu redresser notre pays. Alors, bien sûr, quand on gouverne, on peut regretter telle ou telle option. Mais regardons les choses en face. Les services publics dans les territoires ruraux ont été préservés. La protection sociale de notre pays, notre modèle social et le pacte républicain a été préservé. Donc on peut effectivement avoir des nuances, et je suis la première à pouvoir en porter, étant radicale de gauche et non socialiste, mais quand même, on ne peut pas, parce que nous sommes dans une primaire, laisser dire que rien n'a été fait pendant ces 5 ans. Ça, c'est une réponse à Arnaud Montebourg, à Benoît Hamon, c'est ça? C'est une réponse que je fais sur ma vision de voir ce quinquennat, de voir
ce que l'action de cette majorité a pu mener, a pu préserver, qui sont pour nous essentiels, la croissance, la compétitivité de nos entreprises, la volonté de lutter pied à pied contre le chômage, faire en sorte que dans les territoires ruraux, comme dans les quartiers difficiles de la ville, eh bien, il y ait des moyens, il y ait des services publics, vouloir relancer le logement pour que nos habitants puissent vivre décemment, ben ça c'est quand même des mesures qu'il faut mettre au crédit de ce quinquennat. François de Rugy, je me souviens lors du premier débat télévisé de cette primaire, vous aviez piqué, pardonnez-moi l'expression, une forme de coup de gueule en disant que vous en aviez assez des propositions irréalistes que vous entendiez au cours de ce débat. Vous avez même dit que les Français savent toujours comment elles finissent toujours par des impôts et des taxes en plus. Je vous pose la question comme aux autres, c'est quoi un président de gauche selon vous ? Alors d'abord, il faut se poser la question de ce que c'est qu'un président, comment on conçoit la présidence, parce qu'on a bien vu ces deux derniers mandats. Il y a eu d'abord un président qui voulait se mêler de tout, qui annonçait une réforme tous les matins, qui en général n'était suivie d'aucun effet. Et puis on a eu, il faut bien le dire, depuis 2012, une présidence qui a manqué de cap, qui a manqué de vision, et où on était trop souvent dans le commentaire. Et moi, je me souviens de ce que disait François Mitterrand. Il disait « Le président n'est pas celui qui dit dans quel sens on doit ranger les sardines dans la boîte ». Donc voilà, le président, il est là pour donner le cap, la vision, et celui ou celle qui sera élu président de la République sera porteur devant les Français d'une vision. Et il devra donc vérifier que ces grands choix stratégiques sont bien mis en œuvre. En faisant des propositions réalistes. Bien sûr. Et ensuite, il devra laisser le gouvernement gouverner avec le Parlement. C'est ma conception d'un fonctionnement démocratique. C'est pour ça que je fais des propositions de réforme démocratique à tous les niveaux. Car ça, ça a été un des grands rendez-vous manqués du quinquennat écoulé. Aucune réforme démocratique. Moi, je propose la proportionnelle, le non-cumul réel, la parité à tous les échelons. Et je propose une journée du référendum. Pas un référendum pour bloquer un texte de loi qui pourrait être appliqué. Ça, c'est une réponse à Benoît Hamon. Oui, parce qu'on pourrait parler, si on a le temps tout à l'heure, de 49.3 citoyens qui m'étonne beaucoup. Bah, allez-y, allez-y. Ça m'étonne beaucoup que la gauche puisse proposer un processus qui n'a d'autre but de donner au lobby 450 000 signatures, n'importe quel lobby réussira à trouver cela, pour bloquer un texte. Heureusement que cette disposition n'existait pas quand Valérie Giscard d'Estaing avec Simone Veil a fait voter la loi sur l'avortement, ou plus près de nous, quand nous avons fait, ou quand François Mitterrand a fait voter la loi qui a aboli la peine de mort, ou qui aujourd'hui a fait mettre le mariage pour tous. Et puis demain, je n'imagine pas quel est le sort qui serait réservé à une réforme comme le revenu de base dans un tel processus. Je crois qu'il faut que nous nous engagions sur des projets réalistes, que la future majorité présidentielle et parlementaire les mette en œuvre et qu'il y ait, en revanche, moi je propose deux fois par quinquennat, des rendez-vous de référendum qui seraient d'initiative citoyenne, plutôt pour des projets qui n'ont pas été mis en œuvre par le Parlement, d'initiative évidemment parlementaire et gouvernementale. On a entendu. Vincent Peillon, quel président est-ce que vous comptez être si vous êtes désigné Un président de gauche. Non d'abord, seulement à l'issue de ces primaires de la présidentielle, et qu'est-ce que vous pensez de ce fameux 49-3 citoyen que propose Benoît Hamon ? Un président de gauche, c'est d'abord un président qui va pouvoir rassembler la gauche et d'abord ses propres amis, entre ceux qui ont théorisé les deux gauches irréconciliables. Et ceux qui ont cassé des portes et brisé des fenêtres en étant restés plus longtemps que moi au gouvernement, il va falloir rassembler. C'est le premier acte. D'autres qui ont gouverné avec nous à gauche, je pense à Jean-Luc Mélenchon, ou Emmanuel Macron, il va falloir les rassembler encore. Et puis il va falloir après... Il est de gauche, toujours, Emmanuel Macron, pour vous ? En tout cas, il était le ministre de Manuel Valls. C'est ce que vient de dire Jean-Marc Ayrault, il estime qu'il est bien... Ça doit donc être malgré tout... Et ce n'est pas moi qui l'ai nommé, hein. Ça doit donc être quelqu'un qui se reconnaît dans la gauche. Et ces électeurs, pour beaucoup d'entre eux, ne méritent pas, comme les autres d'ailleurs, qu'on les injurie. Un président de gauche, c'est quelqu'un qui, après avoir rassemblé ses amis et la gauche, rassemblera au-delà les Français. On ne peut plus vivre dans un pays où 50% de nos concitoyens ne sont pas représentés. C'est pour ça que je veux rendre la République aux citoyens par une proportionnelle intégrale que personne d'autre ne propose. C'est quelqu'un qui sera en même temps capable de comprendre qu'il faut préparer l'avenir, celui de nos enfants, l'école, l'enseignement supérieur, mais aussi le développement durable, qui sera capable de faire que nos solidarités soient plus fortes entre les territoires, entre les générations, entre les citoyens, car notre pacte républicain et social est en train de se déchirer de trop d'inégalités. Un président de gauche, c'est quelqu'un qui aura le courage de dire on peut être de gauche et pleinement européen, et même l'Europe va nous aider à faire avancer nos valeurs démocratiques et sociales.
Un président de gauche, c'est quelqu'un qui toujours portera chevillé au cœur les valeurs de la République et sortira du débat public, sortira du débat public tous les débats identitaires qui, depuis 10 ans, abîme notre pays et le tire vers le bas. On parlera de la laïcité, si c'est à cela que vous faites allusion, puisqu'on va parler aussi de l'école. Mais d'abord, Jean-Luc Benamias, vous avez été très élogieux sur le bilan de François Hollande. Il n'est pas là. Qu'a-t-il raté? Ce serait quoi le président de gauche idéal? Nous vous évoquerons aussi après le résultat de cette primaire et votre retrait, votre soutien aux gagnants de cette primaire. Jean-Luc Benhamer. Je serais un président naturel, je crois que tout le monde a compris. J'en finirai avec la monarchie républicaine. François Hollande, que je salue, et je salue même sa décision, a essayé d'être un président normal. Un président normal dans la 5e République, c'est impossible. Les Français attendent le sauveur suprême, tu l'as dit Benoît, il n'y aura plus de sauveur suprême. Il n'y aura plus de général de Gaulle, il n'y aura plus de François Mitterrand. Il faut donc changer de République. Progressivement. Il faut donc passer à la proportionnelle, évidemment, dans les deux assemblées. Proportionnelle, ce que vous voulez dire... Partielle. Non, totale, comme en Allemagne. Intégrale. Intégrale, comme en Allemagne, c'est-à-dire... produit des majorités, semble-t-il, et ça produit des coalitions. Il faudra, pour fonder un gouvernement, c'est ce que je ferai, pour fonder un gouvernement, discuter pendant les 2 ou 3 mois, entre le temps de formation du gouvernement, devant nos concitoyens. Ce que font très bien nos amis allemands. J'ai salué tout à l'heure, je ne salue pas toujours les Allemands, mais là, ils le font très bien. La proportionnelle sera aussi... Tout le monde sera représenté, tous les grands courants républicains. Et il semblerait, le Front National n'étant pas interdit, que le Front National est démocrate, pas forcément républicain. Donc il sera représenté, ça ne m'a pas échappé. Dans ce cadre-là, le Premier ministre, et c'est très difficile d'être Premier ministre en France, puisque la centralisation est totale. Manuel Valls, je le dis, s'est formidablement débrouillé pour continuer à exister. Ça n'a pas toujours été le cas de M. Fillon dans les années auparavant. Même si M. Fillon, on l'a vu, s'en sort très bien aujourd'hui, en tous les cas, par rapport à la droite française. Je dirais dans ce cadre-là que la proportionnelle permettra au pays d'être réellement représenté. Et que peut-être ce que nous représentons, hommes et femmes politiques, sera un peu moins discrédité, car en ce moment, dans nos débats, dans nos discussions, certes nous sommes suivis, mais ils attendent beaucoup, nos concitoyens, de savoir qui aura la parole pour dire « Allez, arrêtez de nous faire des promesses, mais qui tiendra vraiment ce qu'il dit ?» Et je le dis, je termine là-dessus, c'est très difficile aujourd'hui de dire quand on est président, et je le ferai, de dire quand on est président que nous n'avons pas tous les pouvoirs dans le cadre de la mondialisation. Même M. Obama n'a pas eu tous les pouvoirs. Très bien, merci Jean-Luc Benhamias. Écoutez, comme vous avez émis le souhait, entre autres, de parler d'éducation, on va y venir dans un instant, mais d'abord, et pour pouvoir avoir le temps d'en parler, je vais vous poser une question, on voulait vous poser tous les trois une question très simple, à laquelle je vais vous demander tout simplement de répondre par oui ou par non. Vous engagez-vous les uns et les autres à respecter le résultat de cette primaire, quel que soit le vainqueur? Sylvia Pinel. Oui, nous avons tous signé une charte d'engagement. Je réponds. Cette charte, tous les candidats l'ont signée. Donc, à partir du moment où on l'a signée, je n'imagine pas que l'un d'entre nous pourrait répondre non à votre question. C'est oui. Manuel Valls. Oui, c'est pour ça que je veux gagner. Vincent Payon. Oui, bien entendu. Jean-Luc Benhamias. Évidemment, oui. Benoît Hamon. Je respecterai ma signature. Arnaud Montebourg. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas d'autre choix que de gagner. Quel qu'il soit. François de Rugy. Je m'inscrirai dans le rassemblement à l'issue de cette primaire. Et parce que cette primaire, c'est désigner un candidat, mais c'est aussi façonner un projet pour une gauche renouvelée. Et un projet pour l'éducation nationale. Donc, oui. Notamment, deux d'entre vous ont été ministres de l'éducation. Je voudrais qu'on parle de l'école, pas seulement par le biais des professeurs, mais aussi par le biais des élèves. Le constat, il est très clair, il ne change pas. Il y a un enfant sur trois qui ne sait pas bien lire, écrire et compter en arrivant à l'entrée en sixième. Le classement PISA, qui teste des enfants de 15 ans dans le monde entier, nous classe toujours la France au 26e rang. C'est pas très glorieux. Alors, quelles mesures pédagogiques concrètes, Benoît Hamon, vous qui avez été ministre de l'Éducation nationale pendant 5 mois, vous proposez pour améliorer le niveau des élèves qui peinent et qui ont des difficultés? D'abord, beaucoup a été fait. Et il faut le dire parce qu'un des éléments positifs du bilan de ce quinquennat concerne l'Éducation nationale et notamment la priorité aux primaires. La réalité aujourd'hui de l'école primaire, c'est que nous y constatons encore des difficultés d'apprentissage en français et en mathématiques. Je propose donc deux
nouveau train de mesures pour le primaire. La première mesure, elle concerne le nombre d'élèves par classe. Il y a un lien direct entre les difficultés d'apprentissage des élèves les plus en difficulté et le nombre d'élèves qu'il y a dans les classes. C'est la raison pour laquelle je souhaite que dans toutes les écoles de la République, il y ait un plafond de 25 élèves par classe, qu'on ne puisse pas aller au-delà, et dès lors qu'une école va au-delà, elle crée une nouvelle classe. Mais que dans les Outre-mer, les réseaux d'éducation prioritaire et dans les zones rurales défavorisées, là, le plafond soit porté à 20 élèves par classe. C'est un élément décisif si nous voulons lutter contre les inégalités. Inégalités qui se jouent aussi dans ce que la partie des apprentissages qui se fait à la maison. À la maison, on a des devoirs. Et dans ces devoirs, certains élèves ont plus de difficultés que d'autres. C'est la raison pour laquelle aussi je propose un service public de l'aide aux devoirs qui serait pris en charge par des professeurs, payés sur leurs heures supplémentaires, de façon à ce que, sur ce cycle 2, c'est-à-dire CPCE1, CE2, c'est sur ce cycle 2 que je veux des classes à 25, où nous puissions mettre le maximum de moyens pour faire en sorte que les inégalités soient attaquées. À l'intérieur de la classe, il y a moins d'inégalités dès lors que les professeurs peuvent prendre en charge chaque élève. Dès lors qu'on sort de la classe, on revient dans sa famille, dans son quartier, avec pas forcément toujours les mêmes chances de réussir. Ce service public de l'aide aux devoirs complétera l'effort qui a été fait lors de ce quinquennat sur le primaire. C'est une des clés si nous voulons faire diminuer le nombre de décrocheurs dans notre pays. Vincent Peillon, l'autre ministre de l'Éducation, le premier ministre de l'Éducation de ce quinquennat, dans votre programme, vous vous concentrez sur l'enseignement supérieur. Est-ce que ça voudrait dire que la gauche a tout réussi avec l'école et au collège ? Je peux vous dire qu'un certain nombre de Français, par exemple, restent insatisfaits des rythmes scolaires que vous avez initiés. Alors, ce qu'a commencé de faire ce quinquennat, c'est ce qu'on appelle le choc PISA, que vous évoquiez. D'ailleurs, l'OCDE l'a encore salué cette semaine. C'est l'organisme qui fait la mesure PISA. Elle l'avait fait d'ailleurs au moment de des rythmes scolaires. Ça avait été peu relayé en disant « cette réforme est évidemment utile, avoir 5 matinées pour travailler, c'est mieux que 4 ». Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous avions tous eu 5, puisque la réforme datait de 2008. Mais il fallait faire quoi aussi ? Faire des postes. Donc on a fait beaucoup de postes, 54 000 dans ce quinquennat. Et changer les pédagogies. Benoît Hamon disait à l'instant qu'il faut mettre le paquet sur les premières années du primaire. Nous avons mis 5 000 mètres supplémentaires. Il y a des classes, 5 000 classes, où il y a 2 mètres en même temps. Nous avons changé les programmes, nous avons introduit le numérique, nous avons remis en place la formation des maîtres qui avait disparu. Aujourd'hui, il me semble qu'il faut poursuivre ces réformes. Nous avons changé les cycles, nous avons fait un cycle entre le primaire et le collège, et nous avons commencé et la réforme du collège et celle de l'éducation prioritaire, dans laquelle nous avons mis plus de 350 millions d'euros, permettant aux professeurs d'être mieux payés, d'avoir moins d'heures et plus de moyens dans les établissements. La logique cartésienne veut que l'on remonte. Et maintenant que nous avons mis en place les premières réformes pour le primaire, qu'il faut poursuivre, pour le collège, il faut aller vers ce qu'on appelle le bac moins 3, bac plus 3. D'autant plus que le problème démographique que nous avons d'ailleurs connu à l'école élémentaire arrive sur le supérieur. Vous êtes satisfait ? Et donc, vous êtes satisfait ? Il n'y a pas d'autocritique par rapport au climat général sur l'éducation ? Il y a une insatisfaction des Français. Je pense que jamais autant n'a été fait pour l'école de la République depuis des décennies. Je pense que tout le monde le reconnaît. Je pense que tous ceux qui ont critiqué ne reviendront sur aucune des mesures qui n'ont été prises. Et d'ailleurs, personne ne l'assumerait. Je pense qu'il faut extraire l'école, c'est-à-dire l'avenir de nos enfants, des débats bassement politiciens ou totalement ignorants qui les ont perturbés les dernières années. Et donc, il faut poursuivre dans la durée. Poursuivre dans la durée ne veut pas dire ne pas corriger. Et je venais au point essentiel. Nous savons depuis très longtemps que le facteur le plus important pour la réussite d'un élève, c'est la formation initiale et continue des maîtres. Et donc, il faut, nous avons recréé les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, elles posent des problèmes. Je pense que maintenant, pour le primaire, il faut vraiment revoir, améliorer dans le cadre de l'autonomie des universités, ces écoles dans la durée. Mais il faut engager dans le prochain quinquennat l'acte 2 de la refondation républicaine de l'école autour des lycées et des premiers cycles université. Une petite question. Vous savez ce que c'est le prédicat, monsieur Peillon ? Oui, pourquoi ? C'est la nouvelle réforme de la grammaire. Qu'est-ce que c'est ? Mais pourquoi vous me demandez ça ? Mais parce que les parents sont un peu perdus. On n'avait pas compris. Nous, on n'a pas compris. Vous savez, franchement, la réforme des programmes, là, vous êtes vraiment. C'est la première fois dans le pays que c'est le cas. D'abord, nous avons créé un organisme indépendant. Vous auriez pu le saluer. Oui, oui, oui. C'était la première fois qu'il y avait des professionnels indépendants. Est-ce que ce n'est pas une question ? Un conseil supérieur des programmes. Oui, mais. Et donc, deuxièmement, les programmes ont été réformés sans qu'il n'y ait de blocage.
C'est la première fois. Et d'ailleurs, j'en rends justice à Najat Vallaud-Belkacem qui a été dans cette affaire très courageuse. Arnaud Montebourg, je me tourne vers vous. Vous avez un point commun avec Benoît Hamon. Vous aussi, vous voulez mettre le paquet sur l'école primaire. Vous parlez d'un maître des savoirs fondamentaux qui suivrait les enfants pendant 3 ans du CP au CE2. Vous parlez, vous aussi, de dédoubler les classes pour qu'il y ait 2 fois à 3 fois moins d'élèves. Sauf que Benoît Hamon, lui, dans son programme, il dit 37 000 embauches, peut-être 40 000. Comment on fait ça sans embaucher ? Pas au primaire, surtout. Pas dans le primaire seulement, évidemment. Mais au moins, il y a des embauches. Pourquoi vous n'en parlez pas dans votre programme, Arnaud Montebourg ? Si, toutes les solutions que je propose sont cadrées, sont chiffrées et sont applicables dans quelques mois. Donc je voudrais d'abord dire à quel point j'ai été frappé de l'appel au secours des enseignants, qui ont besoin d'être soutenus, renforcés, formés, mieux reconnus. Et je suis étonné de voir qu'avec une augmentation de 30% d'élèves en difficulté en 10 ans, donc il s'agit là d'une tendance générale, nous avons à continuer à investir ce qui a été commencé, investir dans l'éducation nationale. Par ailleurs, notre école est devenue très inégalitaire, donc nous avons besoin de corriger ces inégalités. Sinon, elle n'est plus celle de la République. Je suis frappé de voir des familles modestes dans les quartiers populaires qui se saignent pour dire on va aider notre enfant et en sont à mettre leurs enfants dans le privé. Il y a une fuite des inscriptions vers le privé. Donc nous avons là une responsabilité très importante pour continuer les efforts de reconstruction de l'éducation nationale. Oui, je propose des petits groupes là où c'est nécessaire. Donc les moyens devront être mis. Donc moi j'ai prévu dans mon cadrage économique un investissement de 7 milliards dans l'éducation nationale. Donc, des embauches ou pas d'embauches ? Bien sûr. Formation. Je propose aussi qu'avec le maître des savoirs fondamentaux, c'est une idée intéressante parce qu'elle permet de continuer dans toute la chaîne des savoirs et notamment CP, CE1, CE2, elle permet d'avoir une continuité par rapport dans la relation avec les enfants. Mais je suis aussi d'accord avec ce qu'a proposé Benoît Hamon lorsqu'il parle du service public de l'aide aux devoirs. Je me suis inspiré de ce qu'a fait M. Jardin Bleu Blanc Zèbre dans son association. Il a quand même mobilisé des retraités de l'éducation nationale, des volontaires, des étudiants en fin de cycle qui ont du temps à offrir. Chaque enfant en difficulté doit avoir un tuteur, un soutien sous, j'allais dire, l'autorité du professeur ou du professeur des écoles, de l'instituteur. Je veux aussi dire un mot de l'évaluation. Nous devons faire confiance aux professeurs. Ils sont, eux, des cadres, mais on les traite dans cette espèce de bureaucratie de l'éducation nationale, on les traite comme des fonctionnaires d'exécution. Mais ils ont une responsabilité de mener un enfant vers la réussite. Et je crois que nous aurions intérêt à, plutôt qu'envoyer des inspecteurs, les remettre dans les établissements en permanence et travailler en équipe et procéder aux évaluations. Et le seul juge de paix, c'est les résultats de l'enfant. Manuel Valls, vous voulez une nation éducative. Vous avez été maire d'Évry. Vous savez parfaitement qu'il est plus difficile d'enseigner dans certains endroits que dans d'autres. Qu'est-ce que vous proposez pour aider les enfants dans ces ZEP, ce qu'on appelait des ZEP, les professeurs, les lycéens notamment, manifestent en ce moment. Le collectif Touche pas à ma ZEP demande des moyens que le gouvernement veut lui supprimer. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Beaucoup a été fait, ça a été rappelé il y a un instant par Vincent Peillon, par Benoît Hamon et aujourd'hui par Najat Vallaud-Belkacem. Et si la gauche doit s'identifier quelque chose, c'est l'école, c'est l'université, c'est l'enseignement, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est la culture dont on parle peu. Mais alors que nous avons rebâti le socle, qui pourrait être remis en cause demain par François Fillon, parce que quand on propose de supprimer 500 000 fonctionnaires, ça va toucher, ça va concerner d'abord les enseignants. Mais il reste ce problème majeur, qui est celui de l'approfondissement des inégalités dans les territoires, dans les banlieues, dont je suis l'élu, dans les territoires ruraux dont on a peu parlé, dans les villes moyennes. Et le sentiment, au fond, que le système, compris l'école, reproduit les inégalités. Donc, il faut continuer à mettre le paquet dans l'école, d'abord pour l'accueil, continuer cette politique d'accueil des moins de 3 ans, créer un grand service public, souple, bien sûr, avec les collectivités territoriales, d'accueil pour la petite enfance, soutenir les enseignants. Je pense notamment, puisque vous parlez de ces territoires plus difficiles, de ces territoires populaires, qu'il faut soutenir encore plus, nous l'avons fait déjà, les professeurs, y compris on pourrait aller plus loin,
qu'un enseignant affecté dans ces quartiers le soit au moins après 5 ans déjà d'exercice dans un autre territoire. Voilà pour l'école. Et puis ensuite, il y a l'université. Là, nous nous retrouvons tous. 1 milliard par an d'investissement, l'université, la recherche, l'innovation, puisque les grandes nations de demain, ce sont précisément celles qui investissent dans l'innovation et de la recherche. Et puis enfin, une nation éducative, c'est la formation tout au long de la vie. Nous l'avons amorcé avec le compte personnel d'activité, mais c'est la formation avec les changements de métier, avec la révolution numérique, avec la transition écologique. Voilà l'idée que j'ai, voilà l'idée que je porte, voilà l'idée que j'incarne. Oui, faire de la France la première nation éducative du monde. Donc, c'est la priorité. Si un président de la République doit incarner une grande priorité, c'est bien sûr l'école, cette nation éducative et la langue française, parce qu'il y a aujourd'hui en France, comme en Outre-mer, beaucoup trop d'illettrisme, mais ça doit être une grande priorité, celle de la langue française. François de Rugy, on se souvient que François Hollande avait promis, avait mis la jeunesse en premier dans ses objectifs. Quand vous entendez peut-être un certain nombre de promesses, est-ce que votre coup de gueule du précédent débat ne vous revient pas? C'est-à-dire, bon, beaucoup de création d'emplois, beaucoup de moyens. Comment ça va se traduire concrètement? Et puis, dans votre programme, il y a une mesure originale sur les professeurs et leur vocation. Comment est-ce que vous pouvez les convaincre de devenir professeurs? Oui, d'abord, je voudrais dire que l'école en France joue un rôle particulier. Les Français considèrent, à juste titre, que l'école, c'est le lieu du progrès individuel et collectif. C'est le lieu de l'émancipation. C'est ce qui permet d'amener des enfants vers l'âge adulte, en plus de l'éducation des parents, vers des citoyens. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est le lieu de transmission des valeurs, aujourd'hui, liberté. Aujourd'hui, il y a une grande insatisfaction sur l'école. Justement, tous vous avez l'air de dire que ça va très bien. Non. Vous savez tous bien que non. Justement, c'est parce que les Français investissent beaucoup sur l'école, à tous les sens du mot investir, c'est-à-dire les Français individuellement et l'État qui investit, c'est le premier budget de l'État. Et donc, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et moi, quand je vois des parents d'élèves qui sont obligés de faire appel à des entreprises privées pour faire du soutien scolaire, je vois toutes les publicités d'ailleurs qui inondent nos ondes pour ces entreprises privées, c'est bien le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est bien le signe que les moyens ne suffisent pas. C'est-à-dire que les moyens, c'est important, c'est le premier budget de l'État, ça doit le rester, c'est un investissement d'avenir. Mais il faut poser la question des méthodes. Si on ne pose pas la question des méthodes, et être de gauche aujourd'hui, c'est pas dire, c'est celui qui est le plus à gauche, c'est pas celui qui promet le plus de création de postes, c'est celui qui veut vraiment s'attaquer aux questions de méthodes. Et là, moi, je dis clairement que c'est le soutien aux enseignants qui innovent, qui expérimentent, qui font des projets d'établissement, parce que c'est eux qui savent en bas, par en bas, à l'échelle de chaque établissement, comment on va pouvoir amener les élèves qui décrochent à revenir dans le mouvement de tous les élèves. C'est eux qui diront comment on pourra améliorer, adapter les cours. Et là, les enseignants, moi je fais le choix aussi de les rémunérer davantage. Disons-le clairement, plutôt que de créer plein de postes supplémentaires, moi je propose de rémunérer davantage les enseignants qui s'engagent, de récompenser cet engagement dans l'innovation et l'expérimentation. Vous, Sylvia Pinel, et on va être concret là pour le coup, vous voulez professionnaliser les études, rapprocher l'école de l'entreprise. Pourquoi? Ça veut dire que le rôle de l'école, c'est pas simplement la transmission des savoirs, mais ça doit aussi préparer un boulot. C'est vraiment ça le rôle de l'école? D'abord, je crois qu'il est important de rappeler que l'école doit être une priorité. Et sous ce quinquennat... Ça, je crois que tout le monde est d'accord. Mais sous concrètement, ce quinquennat, sur ce rapprochement école-entreprise... Le budget école, de l'éducation nationale est redevenu le premier budget de la nation. Parce que moi, je crois à cette école de la République qui permet à chacun de trouver son épanouissement, qui est aussi un bel exemple de cette promesse républicaine. Et il faut qu'elle puisse fonctionner, et puis qu'elle puisse s'adapter et vivre avec son temps. Donc c'est la raison pour laquelle, moi je crois qu'il est important pour que, dans certains territoires, dans certains territoires ruraux ou dans certains quartiers, quand on visite les jeunes et les jeunes élèves qui sont là, qu'est-ce qu'ils nous disent sur les orientations? J'ai été en charge des très petites entreprises. Et on s'aperçoit qu'en fonction de l'environnement social, familial, on a finalement un horizon sur les débouchés professionnels qui est assez limité. On n'a pas forcément tous les codes. Ce qu'il faut, c'est que justement, il y ait plus de liens entre ce qui entoure nos enfants. Alors concrètement, dites-nous concrètement comment on fait. Cela est lié à ce que je souhaite faire pour revaloriser l'apprentissage et faire en sorte
que des métiers, des filières qui aujourd'hui ne trouvent pas de salariés qualifiés, de salariés compétents, puissent venir, et nous l'avions un peu lancé avec les fédérations professionnelles de l'artisanat, puissent aller dans les collèges ou les lycées pour présenter leur savoir-faire. Et la France est riche justement de ces savoir-faire. Mais puisque je suis, nous sommes sur l'école, je voudrais aussi évoquer la question de la formation et l'affectation des enseignants. Je crois que c'est un vrai sujet qu'il est important de traiter, parce que mettre devant des classes difficiles, des jeunes enseignants qui n'ont pas l'expérience du terrain, ce n'est pas comme ça que l'on peut y arriver. Et puis, puisque nous sommes là aussi pour faire un peu de politique, moi je voudrais rappeler à nos concitoyens qu'au-delà de la question des 500 000 postes de fonctionnaires que veut supprimer la droite, qui touchera bien sûr l'école de la République, je veux aussi attirer l'attention sur le verrou que veut faire sauter François Fillon sur le financement des écoles privées et finalement organiser une concurrence accrue entre l'école privée et l'école publique. Faire en sorte que l'école privée se généralise. Mais ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que les enfants issus de milieux modestes, les enfants issus de familles fragiles, ben, ne pourront plus avoir les mêmes chances. Et ça, c'est un projet qu'il nous faut absolument rejeter. C'est inacceptable et ce n'est pas la conception que je porte pour donner les mêmes chances à tous nos enfants. Monsieur Benhamias, vous êtes toujours là. On va parler de votre vision de l'école. Vous vous intéressez aux décrocheurs. Vous vous intéressez aux décrocheurs. Vous voulez pérenniser les écoles de la seconde chance. Oui. Ça consiste en quoi, en fait? Bon, on peut résumer cela à ça, mais ce n'est pas résumé à cela mon programme. Moi, je n'entends pas une grande insatisfaction par rapport à tous les cycles. Vous m'excusez, je n'entends pas une grande insatisfaction par rapport aux enseignantes, aux institutrices et aux instituteurs, de primaire ou de maternelle. Je n'entends pas au lycée, dans les lycées généraux, de grande insatisfaction. À la fac, un petit peu, dans le premier cycle. J'entends une énorme insatisfaction, un énorme et un gigantesque problème au collège. Et c'est là où se situe notre plus gros problème de décrochage. Je sais bien que ça commence en primaire, mais cette profession d'enseignant, on a des gens qui sont engagés, qui sont volontaires, qui ont différentes pédagogies, et c'est heureux qu'ils aient différentes pédagogies et que la nation, que le ministère ne donne pas à chaque fois toutes les règles qu'il faut définir. Chaque quartier, chaque société, chaque pays au sens état des régions, chaque région a ses façons de faire et c'est tant mieux. Et chaque éducateur, chaque enseignant a ses façons de faire. Je dis qu'au collège, et je crois qu'on est un certain nombre à défendre cette position autour de ces tribunes. Il faut plus, beaucoup plus d'adultes. Je dis que l'idée au collège d'avoir deux enseignants par classe, dans les collèges en difficulté, ils sont très nombreux, deux enseignants par classe, un qui fait le cours à 80% des élèves qui sont en train de suivre, et puis il y en a 20% qui décrochent pour des raisons diverses. Un autre enseignant, éducateurs, animateurs, formés pour cela, qui suivent et qui disent « Tiens, j'ai l'impression que celui-là ne suit pas. Quelle est la raison? Quel est le problème? On va travailler. » Je dis après qu'au lycée, il faut, dès la première, faire que le lycée soit la préparation à l'entrée en faculté. Je dis qu'il n'y a pas besoin au lycée d'avoir forcément des cours à 25, à 30 ou à 35. Un certain nombre de cours peuvent se passer en amphithéâtre, dans les grandes salles qui existent dans les lycées. Je dis que c'est la préparation pour éviter la plus grande partie de l'échec à la première, des deux premières années de faculté. Les élèves sont des 16-17 ans, sont pour moi des adultes en formation, mais ils ont un cerveau déjà très bien formé. Ils sont en capacité, merci, dans ce cadre-là. Mais j'aimerais bien parfois pouvoir terminer, avant qu'on me dise merci, s'il vous plaît, pouvoir terminer un certain nombre de logiques. Vous avez déjà fait plus de 2 minutes sur la réponse. C'est pas le problème. Le problème, c'est d'arriver au bout de certaines logiques. Je termine, je dis que les jeunes de 16-17 ans sont en capacité d'assumer une logique d'adulte, d'assumer. Et c'est ce qui leur permet. Et de voter? Ils peuvent voter à 16 ans? Oh, c'est une autre question, madame, c'est pas la même. Non, finissez. On va répondre aux questions. C'est bien, je veux bien qu'on discute de tout à la fois, mais ça sert à rien. Je dis que ce sont des adultes qui ont un cerveau en formation. Je finis par rapport aux 16-17 ans, qu'ils soient capables d'assumer le fait d'après d'être autonome dès 16-17 ans et que dans ce cadre-là, leur entrée en faculté sera beaucoup moins difficile. Je vous remercie de m'avoir laissé terminer.
Sur le droit de vote à 16 ans, oui, non ? Mais c'est pas le problème, là. Je veux bien qu'on fasse le droit de vote à 16 ans. Oui, oui, alors. Ça veut dire changer le modèle total de société, madame. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, comme nous tous autour de cette tribune. Droit de vote à 16 ans, ça veut dire droit de conduire à 16 ans. Ça veut dire être autonome par rapport à la sexualité à 16 ans et tout cela. Ça change un certain nombre de capacités générales. Je veux bien qu'on en discute. On va parler de laïcité. Que je rajoute quelque chose sur l'école d'un mot, parce que c'est important. 10 secondes. Parce que ça a été évoqué par plusieurs. François Fillon a dit que l'école qu'il souhaitait, c'était une école du respect et de l'autorité, si je ne me trompe pas. Moi, je pense qu'ici, je crois en tout cas, nous nous battons tous pour une autre école, l'école de l'égalité, parce qu'il n'y a rien de pire, et je veux insister là-dessus, pour une famille qui a beaucoup investi dans l'école. S'il vous plaît, Rontel Krief, s'il vous plaît, 2 secondes sur l'école. Pour une famille qui a beaucoup investi sur l'école, pour des enfants, des élèves qui ont beaucoup investi dans le travail pour pouvoir avoir un diplôme, que de constater qu'après, la réussite est réservée à quelques-uns et pas à eux en fonction de leur diplôme. Et cette question de l'égalité, c'est une question centrale. Ce serait extrêmement grave si la droite venait à remettre en cause les choix politiques qui ont été faits dans le précédent quinquennat pour justement lutter contre les inégalités dans le système scolaire français. On passe à la laïcité, puisque l'école est un des lieux où elle s'applique, cette laïcité. Et c'est un sujet qui fait question, qui peut faire polémique. Vincent Peillon, quand vous étiez ministre de l'Éducation, vous avez jugé nécessaire d'afficher une charte de la laïcité dans toutes les écoles. C'était en septembre 2013. Une charte qui interdit toute forme de prosélytisme à l'école, qui prévoit que la laïcité assure l'accès à une culture commune et partagée, qui permet l'exercice de la liberté d'expression et de l'égalité homme-femme. Or, aujourd'hui, vous vous semblez dire que cette laïcité est instrumentalisée. Pourtant, aujourd'hui, eh bien, il y a des gens qui ne sont pas Charlie, il y a des gens qui remettent en question parfois cette égalité homme-femme, etc. Est-ce que aujourd'hui, cette laïcité, si on insiste là-dessus, elle n'est pas plus indispensable à rappeler, à marteler, à souligner ? Vous avez totalement raison, Rontel Krief. C'est d'ailleurs ce qui fait que j'ai voulu à la fois qu'il y ait une charte de la laïcité qui puisse être affichée dans tous les établissements de France, et d'autre part, remettre l'enseignement moral et civique aussi à tous les niveaux. Aujourd'hui, vous avez l'air de critiquer ceux qui se revendiquent de cette laïcité. Ça m'étonnerait, j'y consacre ma vie comme à l'éducation. Je considère que la laïcité est le cœur de notre nation et que nous devons enseigner nos valeurs, c'est-à-dire la devise républicaine, et que nous devons en même temps, bien sûr, transmettre ce qu'est la laïcité, qui est souvent ignorée. Je vous prends un exemple. La laïcité, dans le fond, c'est la séparation des églises et de l'État, et c'est la neutralité de l'État. Nous avons quelqu'un, François Fillon, qui prétend devenir chef de l'État et qui dit « je vais mener des politiques publiques en fonction de la confession qui est la mienne ». Nous sommes avant 1905. Et donc nous voyons que des personnages très responsables, pas seulement ceux que peut-être vous souhaitez que je désigne, mais les élites françaises sont totalement ignorants et préparent des guerres civiles. Parce que si nous recommençons à nous désigner les uns et les autres, en fonction de nos confessions, de celles de nos parents ou de nos grands-parents, eh bien, on va revenir sur ce qu'on avait créé, cet espace commun de tolérance et de respect, où chacun peut avoir sa foi, mais il y a un endroit où elle s'arrête, parce que c'est l'endroit commun où on se respecte, mais précisément, on évite qu'il y ait là des rencontres qui peuvent faire du mal. Et là, je crois que notre pays, depuis longtemps, est en train de régresser profondément sur sa connaissance même de ce qu'est la laïcité. Certains la croient anti-religieuse. Ça n'a pas de sens. La laïcité, bien entendu, considère que chacun a le droit de croire comme de ne pas croire. Certains pensent que notre pays serait finalement matricé culturellement uniquement par une religion. Il y a une religion plus importante que d'autres, mais il y a plein de gens qui ne sont pas religieux. Il y a une tradition qui est celle des Lumières. Il y a une tradition qui... Donc, notre pays, il brasse et il reconnaît différentes cultures, et c'est sa force. Et donc je pense qu'il faut l'enseigner, comme les valeurs de la République, il faut l'enseigner à tous, pas seulement à quelques-uns. Nous devons aussi, ça vient d'être appelé, être égaux devant le savoir, égaux devant nos droits, égaux devant nos devoirs, et la laïcité en est un. Vincent Peillon, vous l'avez entendu, Manuel Valls laisse entendre quand même, d'une certaine manière, que certains pourraient détourner la laïcité de son sens originel. Il n'a cité personne, s'il a pris l'exemple de François Fillon. D'abord, un, est-ce que vous vous sentez visé par ce qu'il a dit ? Ou deux, il se trouve que vous voulez adosser la charte de la laïcité ou une charte de la laïcité à la Constitution. Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui fait que c'est devenu indispensable ? Je ne me sens jamais visé par Vincent Peillon.
Nous sommes dans un beau débat, essentiel même. Le respect, l'autorité, indispensable, à l'école notamment, vont de pair avec l'égalité et la lutte contre les inégalités. Et puis il faut l'engagement. Et l'engagement, c'est le savoir, l'apprentissage et la transmission des valeurs, dont la laïcité, par nos maîtres. L'engagement, c'est aussi pour notre jeunesse. Pourquoi le service civique obligatoire que je propose pour les jeunes femmes et les jeunes hommes de ce pays. Mais, soyons lucides, nous voyons bien que la laïcité est aujourd'hui remise en cause. Par François Fillon, d'une certaine manière, ça vient d'être dit par Vincent Pillon, mais aujourd'hui davantage dans les quartiers populaires. Donc la laïcité protège, elle permet de croire ou de ne pas croire, mais nous devons être lucides aussi sur l'état de la société, sur la montée des fondamentalismes, sur la montée de l'islamisme radical, sur la montée du salafisme, sur l'influence des frères musulmans, sur le fait qu'on veut assigner les femmes dans un certain nombre de quartiers. Donc ça reste un beau combat, au nom de l'esprit des Lumières, au nom de la tolérance, pour protéger tous les Français, quelle que soit leur confession. Je pense même que la laïcité est la meilleure arme aujourd'hui pour soutenir, pour aider, pour protéger nos compatriotes musulmans. Mais ne faisons pas comme s'il n'y avait pas eu la montée de l'antisémitisme. Rappelez-vous de mon combat contre Dieudonné. Ne faisons pas comme s'il n'y avait pas eu, au fond, ces manifestations où on criait mort aux Juifs dans les rues de Paris. N'oublions pas les attentats et leur cause principale. N'oublions pas ces débats ignobles dans lesquels on monte nos compatriotes musulmans du doigt. Donc, un président de la République, de gauche, mais qui veut rassembler la gauche, mais qui veut d'abord rassembler les Français autour des valeurs de la République, doit porter la laïcité. Doit porter la laïcité dans son cœur et dans les actes. Ça n'est pas de la théorie, ce ne sont pas des discours. C'est aussi un combat. Et la République s'est construite sur des combats. Et ces combats, notamment pour les femmes, pour les jeunes de nos quartiers populaires et pour la liberté de croire, je ne les abandonnerai jamais. C'est ma vie et ça sera le cas, évidemment, si demain je suis chef de l'État. Benoît Hamon, vous expliquez que la laïcité ne doit pas être un glaive contre les musulmans. Où est-ce qu'elle doit s'arrêter, la religion, dans l'espace public, selon vous ? Aux portes de l'entreprise, des universités, de certains quartiers où, dans les cafés, les femmes ne sont pas les bienvenues ? Certainement pas dans ce dernier exemple. S'il faut bien être intransigeant vis-à-vis de qui que ce soit qui procède à une discrimination sexiste et qui voudrait interdire un espace privé aux femmes ou un espace public aux femmes, s'il faut être intransigeant, c'est dans ce domaine-là d'abord. Parce que ce qui fait la force de la civilisation qui est la nôtre se fonde justement sur l'égalité femmes-hommes et le même respect que nous accordons aux êtres humains selon leur sexe. En l'occurrence, c'est un combat qui est le combat, pour ce qui me concerne, d'un engagement toute ma vie, et je serai intransigeant là-dessus. Je veux dire quelques commentaires sur la question de la laïcité, de la nécessité ou pas de, finalement, adosser une charte de la laïcité à la Constitution. Jusqu'ici, nous n'avons pas eu besoin. Pourquoi ? Parce que, finalement, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens nous donne un cadre. Deux articles principaux de la loi de 1905, l'article 1 et 2, la séparation de l'Église et de l'État et la neutralité de l'État, nous donnent un cadre. Et à mes yeux, ils suffisent aujourd'hui. Ils suffisent aujourd'hui parce qu'en 1905, on a mis à l'écart qui ? Celles et ceux qui voulaient que la religion s'impose aux hommes et que la loi religieuse prime sur la loi des hommes. Et celles et ceux qui voulaient faire de l'anticléricalisme ou de l'anti-religion, un combat politique. Et Aristide Briand disait d'ailleurs, il faut relire les débats de 1905, que si cette loi devait être interprétée, elle devait l'être dans son sens le plus libéral, c'est-à-dire qu'elle permette aux hommes et aux femmes de coexister, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Alors moi je suis très attentif à ce qui se passe notamment dans les écoles, les collèges et les lycées. Et je pense que nous devons avoir un travail spécifique, partiellement rempli par le retour de l'enseignement moral et civique. Partiellement rempli, je veux le dire, ou même complètement rempli par le travail, tous les jours, des enseignants qui, face à des élèves, qui posent des questions, parfois influencées par des théories conspirationnistes, complotistes, qui ne concernent pas que les jeunes musulmans, ces thèses-là. Parfois par d'autres, influencées par des courants islamiques révolutionnaires. Oui, ces professeurs, aujourd'hui, garantissent que l'école reste, dans l'immense majorité de nos établissements, préservée de ces tests permanents à la République qu'essayent d'opérer des groupes. Donc oui, moi je considère qu'autour de ces enjeux-là, il faut dire ce que sont nos convictions. Un président de la République ne doit pas avoir la main qui tremble, mais il doit aussi regarder ce qui est de sa responsabilité. Elle est celle de rassembler les Français et de ne pas désigner une religion, en l'occurrence l'islam, comme incompatible avec la République. Ce n'est pas vrai. Arnaud Montebourg,
Jean-Pierre Chevènement avait provoqué la polémique en réclamant aux musulmans de la discrétion dans l'expression publique de leur religion. Vous partagez cet avis et ça voudrait dire quoi sur les horaires décalés dans les piscines, sur le port du voile, sur ces questions-là? Quelle est votre conviction? La règle en République, c'est que s'il doit y avoir discrétion pour les uns, il doit y avoir discrétion pour les autres. Je voudrais dire, et c'est une chose difficile, la discrétion, je voudrais dire que pour moi, la loi de 1905, elle est le pacte sur lequel nous pouvons faire face à toutes les difficultés d'aujourd'hui. Rien n'a changé et besoin de rien de nouveau. Je dirais même qu'il faudrait être ferme dans la manière de la mettre en œuvre et je serais favorable à ce qu'elle soit solennellement constitutionnalisée. Donc vous êtes d'accord avec Manuel Valls là-dessus ? Je ne me hasarderai pas à faire des chartes, c'est-à-dire qui réécrirait ce délicat équilibre. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que, d'abord, elle interdit, cette loi de 1905 ? Elle interdit toute forme d'intrusion de la religion dans le champ de la politique, des services publics, de l'action publique. Et à l'inverse, elle interdit toute forme d'intrusion de la politique dans la liberté religieuse, conscience, le droit de croire ou de ne pas croire. Et il y a deux écueils et deux risques. Le premier, c'est qu'on accepte des accommodements avec cette règle intangible. Et que dans le service public, on crée des aménagements pour, au regard d'exigences de certaines communautés. Exemple, les horaires de piscine pour les femmes, je pense qu'il ne faut pas céder. Par exemple, les consultations médicales dont on exigerait qu'elles soient entre les mains non pas d'hommes mais de femmes, lorsqu'il n'y en a pas, ce n'est pas acceptable. De la même manière, la question de l'espace public où des femmes seraient interdites et n'est pas négociable. Et à l'inverse, il y a de l'autre côté la précaution qu'il faut avoir, refus d'accommodement, mais refus de stigmatisation. République protège la liberté de conscience. Le voile dans les écoles pour des jeunes femmes mineures est interdit, mais une adulte majeure à l'université a le droit de porter ce qu'elle veut, de dire ce qu'elle veut, évidemment dans le respect des lois de la République. Alors tout cela, pour terminer, veut dire deux choses. Refuser la tyrannie d'une minorité contre la loi générale, on a bien compris, ou la tyrannie d'une majorité qui refuserait toute forme de différence. Et avec ça, nous pouvons travailler ensemble, nous unir et travailler à faire tout le reste. Parce que sinon, si nous ouvrons les guerres de religion, je crois que nous ne nous en relèverons pas. Je reprends au vol votre terme, accommodement. On entend accommodement raisonnable, hein, c'est un terme qu'on a entendu. Et je voudrais vous poser la question, Jean-Luc Benamias, parce qu'il se trouve que l'un des soutiens de Manuel Valls, il s'appelle Malek Bouti, on vous sait très attaché, vous, à la laïcité. Et je vais vous citer les propos qu'il a tenus, c'était il y a quelques mois. Il disait « Des élus locaux corrompus ont pactisé avec les voyous, les salafistes et les communautés pour avoir la paix dans leur ville. » Et il dit « Ça concerne des municipalités de droite, de gauche ou du centre ?» Je vous pose la question clairement, parce que c'est des sujets que vous connaissez bien. Est-ce qu'il dit la vérité ? En partie. On a trop joué avec les communautarismes, bien évidemment, dans certaines cités, mais c'est valable pour des élus de tous bords. Et ça va même jusqu'aux extrêmes, où on a joué avec cela pendant quelques années. Mais je voudrais dire, solennellement, que la loi de 1905 est une superbe loi. Qu'elle a été travaillée, qu'elle a été discutée au Parlement. Et je demande aux téléspectateurs de relire les verbatims complets de l'ensemble des débats. Il y a même un téléfilm qui est sorti, qui est passé sur une chaîne il n'y a pas si longtemps, qui est absolument excellent. Et qui donne... Alors évidemment, c'est très masculin. On s'en excusera, puisque à l'époque, il n'y avait aucune femme au Parlement. Mais pour le reste... Il n'y en a pas beaucoup plus ce soir. Non. Certes, mais ça n'est pas vraiment la même chose non plus. Je veux bien qu'on... À chaque fois, on décale... Allez-y, c'est continuez. Continuez, Jean-Luc Benamias. Un petit peu largement sérieuse sur... Jean-Luc Benamias, continuez votre raisonnement. On sortait de combien d'années de guerre de religion dans notre pays? L'Église catholique, en tous les cas, une partie intégriste de l'Église catholique sur certaines parties de notre territoire, n'était pas vraiment libérale. Et quand vous écoutez les débats, quand vous lisez le verbatim à l'Assemblée nationale, ça a duré plusieurs semaines,
si ce n'est plus que cela. C'est d'une intelligence pour arriver à des compromis. Parce qu'il y en a qui ne voulaient pas de compromis à l'Assemblée nationale. Mais c'est une partie de l'Église catholique, de ceux qui représentaient l'Église catholique, qui disaient, il faut passer un compromis. Je ne parle pas des autres églises qui minoritaires en France. Je dis donc que la loi de 1905 répond totalement aujourd'hui aux problèmes que nous n'avons pas par rapport aux musulmans, mais par rapport à l'islam intégriste. Et ça, à ce niveau-là, on ne peut pas rien, il ne suffit de rien, il ne faut rien rajouter à tout ce qui est dit dans la loi de 1905, elle se suffit à elle-même. Sylvia Pinel, quand François Fillon se revendique chrétien, ça vous gêne, ça vous choque, ou vous trouvez que c'est normal qu'un candidat à l'élection présidentielle revendique ses croyances? Moi, je suis choquée de qu'il le revendique. Il a le droit, évidemment, d'avoir ses convictions, puisque la laïcité, il faut le rappeler, c'est une liberté, c'est liberté de croire ou de ne pas croire. Mais lorsqu'il l'avance comme cela, c'est finalement ce qu'on disait il y a un instant. C'est une forme de revendication personnelle à une forme de communautarisme. Et quand on est candidat à la présidence de la République, on n'a pas à mettre en avant ses convictions religieuses, ses convictions personnelles. Ça relève de sa sphère privée. Le religieux, c'est bien la sphère privée. Et donc, moi, je crois aujourd'hui que la loi, puisque, comme vous ne m'avez pas posé cette question, mais j'y tiens beaucoup, puisque vous savez combien les radicaux ont pris de place dans ce combat sur la loi de 1905. Elle est aujourd'hui d'une terrible actualité. Il n'y a pas besoin, finalement, de la modifier, de la retoucher. Elle est pleinement applicable. Il faut, en effet, lui donner le sens, lui donner une définition précise et ne pas la dévoyer pour tenter de stigmatiser telle ou telle religion. Et puisqu'on parlait de l'école, moi, si j'ai une proposition à faire sur l'enseignement et l'explication de la laïcité, parce que en fonction, en effet, du milieu social ou de la confession de ses parents, on peut avoir une perception différente de ce qu'est la laïcité. Moi, je crois que c'est un temps long et il est important que les enseignants soient formés, mieux formés sur cette question de la laïcité. Je pense qu'il faudrait rajouter un module supplémentaire de formation pour les enseignants. Et puis, je termine sur cette question qui est importante. Ce qui est aujourd'hui le véritable problème, c'est finalement, on le voit quand on parle du voile à l'université, c'est pas tellement une question de laïcité, ce qu'a dit Arnaud peut être juste. Ce qui est le problème, c'est qu'on impose souvent à ces jeunes femmes, à ces jeunes filles, le port du voile par un certain nombre de personnes de l'entourage ou par le poids de la religion, par finalement un islam intégriste. Et c'est cela qui n'est pas acceptable. Au nom de l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'il y ait des femmes qui ne peuvent pas comporter comme elle le souhaite, qu'elle soit soumise ou primée en France, ce n'est pas acceptable au nom de notre conception républicaine et de l'égalité et de la laïcité. François de Rugy, je reviens juste un instant sur ce que disait Malek Boutier, on l'évoquait avec Jean-Luc Benhamias, il disait oui, ça a existé, on a trop joué avec les communautarismes, on a trop joué dans certaines banlieues. Alors il y a des élus de quartier sur notre plateau, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a eu des compromissions? Je crois qu'il y a des risques de régression, oui, sur la laïcité, sur l'égalité homme-femme. Il y a aujourd'hui dans notre pays des risques de régression et il faut regarder la réalité en face, sans stigmatiser personne, mais en agissant. Et moi, ma conviction, c'est que dans la France d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui d'ailleurs, il faut mener un combat pour les valeurs. Les valeurs républicaines ne sont pas quelque chose d'acquis ad vitam aeternam, sans qu'on se batte pour elles. C'est la liberté. Oui, la liberté des hommes, des femmes de vivre leur vie. C'est l'égalité, et notamment l'égalité homme-femme. C'est la fraternité et c'est la laïcité. Et je pense que le combat pour la laïcité doit être mené, car là aussi, il y a des tentations de régression. Et moi, je ne suis vraiment pas du tout d'accord avec cette formule selon laquelle la laïcité serait un glaive. Non, la laïcité est un bouclier qui nous protège et qui protège tout le monde. C'était ça l'esprit de la loi de 1905 d'Aristide Briand, qui est un Nantais, et donc on le chérit particulièrement à Nantes. Mais on sait aussi ce que c'est en Bretagne, dans l'ouest de la France, que la laïcité, elle ne s'est pas imposée en un jour. Que la séparation de l'Église et de l'État, elle ne s'est pas imposée en un jour. La paix civile que cela a construit, elle ne s'est pas imposée en un jour. Et donc nous n'avons pas envie de revenir en arrière avec d'autres religions aujourd'hui, alors qu'on sait
qu'il y a des gens qui mènent un combat, un prosélytisme, des provocations. On l'a vu cet été avec le burkini. On le voit avec les gens qui disent on va payer les amendes à celles qui voudraient continuer à mettre la burqa. Et il y a des associations qui vont le faire alors qu'il y a une loi qui doit être appliquée. Donc moi, je propose une mesure. Parce que ça se fait à l'école et ça se fait partout sur le terrain. Qu'il y ait une initiative nationale pour défendre et promouvoir la laïcité, que ce soit un appel à projet éducatif, projet associatif, qui réussissent à promouvoir la laïcité partout en France. Bien, madame, messieurs, ce débat touche à sa fin. Avant de nous quitter, vous avez, vous le savez, chacun une minute pour nous expliquer pourquoi, selon vous, vous êtes le mieux placé pour représenter la gauche à la présidentielle. Et c'est Vincent Peillon qui fait la première conclusion. D'abord, je suis heureux de ce débat parce que je l'ai trouvé beaucoup plus vivant et approfondi que le précédent, où les uns et les autres, je crois, nous avions un peu souffert. Je suis heureux aussi parce qu'on a pu montrer que si nous avons des différences de sensibilité, nous partageons quand même sur des sujets essentiels, des valeurs communes. On vient de le voir avec la laïcité, on l'a vu avec cette priorité à l'école, dont je me réjouis tellement qu'elle soit et qu'elle demeure celle de la gauche. On l'a vu avec notre engagement pour le développement durable. Maintenant, je crois que la gauche est confrontée à un moment historique, on le voit. On peut être balayé ou au rendez-vous de notre histoire. Pour être au rendez-vous de notre histoire, il va falloir être en capacité de proposer une gauche qui, à la fois, soit capable de gouverner, c'est-à-dire de faire des propositions qui sont tenables, et pas à 10 ans, pas à 15 ans, et donc de dire, voilà ce que nous faisons immédiatement en Europe pour la taxe d'habitation, pour l'école, et puis en même temps une gauche qui est bien ancrée dans ses valeurs et qui ne dérive plus et qui ne perd plus un certain nombre de gens, de progressistes en route. Je veux incarner cette gauche. Elle s'inscrit dans une tradition. Elle pourra rassembler mes amis qui sont là. Elle nous donnera une chance de victoire et de battre la droite et l'extrême droite. Merci Vincent Peillon. Monsieur Benhamias, votre conclusion. Je suis d'accord avec Vincent Peillon. Je pense que le débat de ce soir a été réel et qu'on a pu discuter à fond d'un certain nombre de thématiques, même s'il faut savoir s'arrêter au niveau des minutes. L'idée que je défends. Merci pour nous de reconnaître cela. Allez. Je reconnais. Je suis un homme pragmatique, vous savez. L'idée que je défends d'actes progressistes et écologiques, de grande alliance, est une qui va, je le répète ici, de l'électorat, je parle bien d'électorat, de Jean-Luc Mélenchon à celui de Nathalie Kosciusko-Morizet, en passant par ce que nous représentons, en passant par, évidemment, Emmanuel Macron, et évidemment, l'ensemble de ce qui a été derrière François Bayrou un certain nombre d'années, et peut-être encore aujourd'hui. Je dis que cette grande alliance, cette majorité progressiste dans le pays, peut faire front face à une majorité ultra-conservatrice autour de M. Fillon et voire pire, autour de Madame de l'extrême droite française. Je dis que si nous ne construisons pas cela, et notre primaire sert à cela, il faut que celui ou celle qui sera élu en sortant de la primaire soit à la tête de cette majorité progressiste. Voilà pourquoi je suis là, et je terminerai ici en disant vivement dimanche prochain. Benoît Hamon, votre conclusion. Je voudrais dire à nos compatriotes qu'à mes yeux, la droite qui fait face à la gauche aujourd'hui en France, l'extrême droite qui fait face à la gauche aujourd'hui en France, présente des caractéristiques extrêmement inquiétantes. D'abord, elle cultive une forme de nostalgie d'une France qui a existé auparavant, c'était mieux avant. Elle se préoccupe de la société en développant des thèses qui confinent au repli culturel et identitaire. Elle propose un modèle de contre-société, moins de fonctionnaires, moins de services publics, moins de sécurité sociale, moins de droits. Et enfin, elle nous invite à l'aventurisme en matière de politique étrangère en nous proposant une idylle avec Vladimir Poutine. Cette droite-là est donc une droite beaucoup plus dangereuse que nous l'avons connue auparavant, beaucoup plus dure et sera beaucoup plus dure avec nos concitoyens et nos compatriotes. C'est la raison pour laquelle je souhaite que cette primaire contribue à choisir un homme ou une femme de gauche qui ne clivera pas la gauche le 29 janvier au soir. Nous devons tout mettre en œuvre pour faire en sorte que celui ou celle qui soit choisi soit en capacité de rassembler la gauche, non pas sur sa personne, mais sur les thèmes qu'il développera, transition écologique, démocratie, justice sociale, autant de questions qui nous permettront de constituer une gauche totale face à la droite totale. Merci Benoît Hamon. Sylvia Pinel, votre conclusion. Présider la France, c'est conduire toute une nation vers l'épanouissement, vers la réussite
individuelle et collective, mais c'est aussi regarder et aimer son pays tel qu'il est. En voir les forces nombreuses dans tous nos territoires, urbains comme ruraux, mais aussi les énergies individuelles qui inventent, développent, créent de l'activité, participent à la solidarité. Ce pays, c'est les Françaises et les Français qui le font chaque jour, entrepreneurs, salariés, fonctionnaires, bénévoles ou citoyens. Les dirigeants politiques doivent être à la hauteur et entendre ces défis du quotidien. Mon projet part du réel, il répond à ce que vivent les Français. Mon projet, c'est celui de la gauche des libertés, cette gauche réaliste et solidaire. Cette gauche qui doit porter un message d'espoir et de rassemblement. Voilà les raisons qui me poussent à participer à cette élection, parce que je souhaite que nos compatriotes puissent faire preuve d'audace pour la France. François de Rugy, votre conclusion. Oui, au terme de ce débat, que je vous remercie d'avoir suivi, je veux vous dire le fond de ma pensée. Depuis plusieurs mois de cette campagne de la primaire, partout en France, mais aussi dans ma circonscription, à Nantes, où je suis député depuis 10 ans, je rencontre des hommes et des femmes qui agissent dans des entreprises, dans des associations, dans les services publics. Ils et elles innovent, expérimentent et réussissent un certain nombre de choses. Malheureusement, ces réussites, ces progrès font rarement la une des médias qui préfèrent parler toujours de ce qui ne marche pas. Ma conviction, c'est que la leçon que j'ai tirée de ces rencontres, c'est que la société française est souvent très en avance sur la classe politique. C'est vrai sur beaucoup de sujets que nous avons évoqués ce soir. C'est particulièrement vrai sur l'écologie. Je pense que la gauche est forte lorsqu'elle s'empare d'idées neuves, lorsqu'elle propose et qu'elle réussit des progrès économiques, sociaux, des progrès démocratiques, le progrès par l'écologie. C'est cette voie que je vous propose d'ouvrir dimanche prochain par votre vote. Arnaud Montebourg, votre conclusion ? Être le président des Français, c'est tracer la vision du futur. Il ne nous fait pas peur, ce monde qui est en train de surgir. Nous avons l'obligation de le regarder en face, de travailler avec ce qu'il nous offre comme opportunité, et surtout l'apprivoiser pour décider ce que nous voulons en faire. Je vous propose de reprendre notre destin en main. Nous avons la force incroyable d'une société française qui bouillonne, qui se reprend elle-même en main et qui souffre de n'avoir pas les débouchés politiques à sa transformation quotidienne et concrète de la vie. Je pense à ces start-up du numérique, à ces quartiers populaires qui réinventent l'économie, les arts, la culture, à ces citoyens qui veulent peser sur la politique et n'y parviennent pas. Nous avons l'obligation de faire surgir cette société et de la mettre au pouvoir. Voilà pourquoi nous allons nous remettre à faire des projets ensemble. La relance économique pour activer le retour de la croissance, la réinvention du modèle social avec la sécurité sociale professionnelle, la refondation politique avec l'avènement de la 6e République, la transformation écologique de la vie quotidienne et surtout l'unification des Français, le service national, l'investissement dans l'éducation, la lutte impérieuse contre les discriminations. Rien n'est impossible, il suffit de décider de le faire. Ça commence dimanche prochain. Merci Arnaud Montebourg. Le soir, on a décidé ainsi. Manuel Valls, votre conclusion, vous êtes le dernier. Dans ce monde incertain, j'ai l'expérience pour faire face aux grands défis de la planète, l'urgence climatique bien sûr, mais pour faire face au terrorisme, pour discuter avec les grands dirigeants de ce monde. Mais j'ai aussi l'énergie, l'envie d'accompagner les Français, de leur donner la possibilité de s'accomplir. Il y a tellement d'énergie. Je veux bâtir pleinement une société du travail. Je veux porter une nation éducative et culturelle. Je veux lutter contre la pauvreté. Je veux porter une France des territoires davantage équilibrée. Et je veux, oui je veux, mais grâce à la primaire, pas dans les petits arrangements. Je veux porter le rassemblement de la gauche pour demain. Rassembler les Français, oui, une République forte, une France juste, voilà mon projet.
Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce débat sur iTélé, BFM et RMC sur lesquels les décryptages vont se poursuivre. Merci.